Merci Pompidax pour le 11e mois, merci Benjack pour le Prime et The Vert. Merci mon frérot pour le 32e mois. Allez. Oh putain, attendez. On est parti. Vous m'avez mis en mode GTA s'il vous plaît ? Ok, super. Clone m'a manqué. Le fameux Claude. Merci Shizzy, merci pour le 3e mois. Ça roule Armaterino, pardon. J'irai voir ça. Merci Oderm, merci pour le 2e mois mon frérot. Bah voilà. Bonsoir messieurs, comment allez-vous? Ça va. Qu'est-ce que vous regardez de beau aujourd'hui? Les infos gabonaises. Alors, ça donne quoi? Le poisson à 1000 francs CFA. C'est vraiment pas cher. Non, c'est vraiment pas... Ça dépend, on parle du kilo. Oui, le kilo. 1000 francs au kilo, c'est que... Après avoir acheté le poisson, certains le ramènent ici. Je propose un billet pour aller en acheter et revenir ici. Oui, vendre du poisson, ouais, pourquoi pas. Quoi de beau, messieurs, dites-moi. On a un plan pour enlever le bracelet de Pierre. Et nous, on a perdu notre job. Et comment ça, vous avez perdu votre job? Bah non, elle rend les clés. Elle a pas le droit, elle part. Non, mais rassurez-moi, vous avez été payé. Alors, elle a dit. Vous inquiétez pas, je vais vous payer, mais de toute façon, je pars demain. Enfin, elle a dit ça hier, je pars demain. Sauf qu'on a toujours pas payé, je crois qu'elle est partie. Ah bah rappelez-la. Rappelez-la maintenant, tout de suite. Ah oui, mais je crois qu'elle est partie, alors. Eh ben, vous me trouvez ça, vous la prenez en otage et elle va vous payer. C'est vrai, c'est vrai. Bah oui. Bah oui. Je vais lui envoyer un message, quand même, pour savoir. Oui. D'accord, donc, hier, est-ce que Catherine était là? Dites-moi. Ah, vous avez pas une nouvelle idée, non. Non. Toujours sa gastro. Oh, oui, je ouais, vous cache ça pas remonte, que... La... C'est une diarrhée chronique, actuellement. Oui, elle s'est déjà réveillée 8 fois dans la nuit. Et ben, on peut même plus les chier. Ah, je vous cache pas que l'odeur était très très forte. Très bien, écoutez. Oui. Pour le plan du bracelet, vous voulez l'écouter? Ah bah allez-y. Je pensais aller au commissariat avec vous. Bah oui. En me faisant passer pour Jean. Avec sa carte d'identité, vu que lui, dans son dossier, il n'y a pas écrit bracelet, en disant que c'est une erreur. Car je n'ai pas fait les travaux d'intérêt généraux non plus. On vous a contacté par rapport à ça? Non. Moi, j'en ai pas, donc...
En gros, c'est qu'il se pointe avec ma carte d'identité en disant bah faut manger le bracelet, vous m'avez dit le 14, et vu qu'il y aura un dossier sur mon dossier. Parlez plus fort, Jean. Pardon, excusez-moi. Merci à plus dans le bus, merci pour ton soutien, merci à Tsoukis. Merci Roblan pour Quintana. Faut enlever le bracelet, vous m'avez dit de repasser fin de semaine, on y est. Ils vont voir qu'il n'y a pas de bracelet, ils vont se dire snap, et ils vont l'enlever. C'est bizarre, après une semaine, ils vont te dire ça fait une semaine que t'as le bracelet, mais tu viens maintenant. Enfin, je sais pas. Bah oui, bah ils ont dit de l'enlever aujourd'hui. Ton bracelet. Ah, okay. Par contre, je n'ai pas fait les travaux d'intérêt généraux et j'ai toujours l'amende. Ok, bon, écoutez, allez, venez avec moi, les deux frères. Claude. Oui. Quoi de beau, Claude? Donne-moi tes papiers. Il n'y a pas que votre mère chie partout à l'heure actuelle. Par contre, laisse-moi mon caillou. Ça sent. Ouais, Claude, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ramener de l'argent, Claude? Bah oui. Ouais, donnez-moi la moitié, Claude, de ce que vous avez fait la dernière fois. C'est pour votre mère, hein, je vous rassure. Est-ce que c'est la bonne que j'ai prise? Attends. Vérifie, regarde. Attends, c'est ce que j'ai sur moi. Et parfait. C'est bon. Et... bah voilà. Claude, que faites-vous? La prochaine fois, Claude, je vous mets un coup de couteau dans les côtes, ok? J'aurais pas aimé. T'as pas fait exprès, père, ça va? Oui, bah attention. Heureusement que vous m'avez donné un bon billet. Bah oui. Ah, voilà. Bien. Bon, les Lambert. Alors, les Lambert, je suis toujours en pleine négociation pour vous placer sur une petite boulangerie très sympa, voire le vin, mais c'est encore en cours de négociation avec la mère, si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Ça marche. Okay. Est-ce qu'en attendant, vous avez peut-être opéré des choses pour gagner de l'argent? Voilà, bah comme ça, déjà. Bah on va aller voir, du coup, vu qu'on a plus Ils s'endort toujours à la même heure. On est plus serveur. Oui. Bien sûr. C'est terrible. Est-ce que quelqu'un a repris le resto ou pas? Non, pour l'instant, il ferme. Après, s'il faut que s'il n'y avait pas de clients, ça va. Essaye de prendre contact celle-là. On va la pêcher en attendant. Bon, écoutez. Avec ta pêche. Allez voir. Mais ça marche. Allez voir la patronne. Si jamais elle veut pas vous payer, vous faites vous cinq un plan. Vous me la prenez en otage et on va lui mettre le plus gros coup de pression de sa vie. Est-ce que c'est faut noté? Qu'elle soit là. Noté, mais faut qu'elle soit là. Normalement, elle est là. Donc... elle a dit. Oui, elle l'a dit. Elle va te payer. Est-ce que vous allez croire les gens malhonnêtes? Bah non. Donc voilà. Ok, elle a peut-être menti. Non, elle n'a pas menti. Voyons. Soyons positifs. Ouais, écoute, les Bourguignons, je vous emmène. Les Lambert, vous savez quoi faire. Claude, allez avec les Lambert. Et puis continuez comme ça, messieurs, d'accord? Non, vaudrait mieux pas que je vienne. Ça marche. Dès que Catherine arrive, je vous tiens au courant très vite. Oui, venez pas, Pierre. Oui, Jean. Enfin, oui, maintenant c'est Jean avec moi, vous. Jean. Oui, maintenant, moi, je suis Pierre. Ils vont venir me chercher. Pour une fois, vous vous trouverez pas. Mais... bon, évidemment, parler, communiquer convenablement, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais je vais communiquer très peu. On a qu'à dire que s'il pose des questions, que c'est une erreur. Donc, en fait, vous faites ça, mais il devait déjà vous l'enlever, ce... Non, il doit me l'enlever demain. Fermez la porte, hein. Oui, mais le problème, c'est quoi? C'est que vu que j'ai pas fait les travaux d'intérêt généraux, si j'y vais moi-même, bah, ils vont le voir que j'ai pas fait les travaux. Et après, c'est la fédérale. Alors que Jean, lui, il a rien. Pas la bonne voiture. Oh, je sais. Ah, on a trois voitures. Oh. Oh, dites-moi. Non, attendez. Oui. Catherine a la voiture avec les clés. Oh la pute! Bon sang. Oui, je lui donnerai plus jamais les clés du véhicule. Et moi, j'ai pas celle-là. Non, attendez. Non, c'est bon, montez! C'était une fausse alerte. Oh, dégagez-moi les véhicules, s'il vous plaît, sur la. Non, bah, n'importe quoi, cette arme. Ça n'a pas de sens. Retirez-moi les véhicules juste ici. Je suis pas sûr, mais bon, on va essayer. Oh, oh, arrêtez, Jean. Non, réflexe. Bonjour. Bah, il y a personne. Madame. On dégage, madame. Je mange un peu de Ben & Jerry's. Bougez pas. Le seul patron de Claude, c'est l'océan. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce voyage? Casse-toi, sale. Sors de. Jean. Oh merde, ça va, Jean? Casse-toi, sale. Mais Jean, mais il est con. Il est fou.
C'est bon, on peut passer, arrêtez. Bon, allez, faites attention en sortant. Bon. Oui. J'ai une belle voiture. Allez, mettez-moi la bonne adresse, s'il vous plaît. Voilà. Très bien. Faut juste espérer qu'il fasse pas biper mon bracelet en étant là-bas. Attendez. Je suis pire. J'ai reçu beaucoup d'appels en absence, ça sent pas bon cette histoire. J'ai reçu deux appels inconnus. Ah bon? On va voir. Faut pas répondre, ça peut être une arnaque. Hein. Bien sûr. Vous savez, le ping call, vous connaissez? Non, dites-moi. C'est les gens qui vous appellent, vous répondez, ils raccrochent. Et quand vous rappelez, vous payez plus cher. Ça se trouve, vous avez perdu 15$ déjà. Non, merde. On les a pas. Vous portez plainte. Mais du coup, comment ça se passe à Caillou ? Génial. Oui. Qui êtes-vous, madame ? Pardon ? Comment ça, qui êtes-vous ? Oh, bah, qui êtes-vous ? Vous êtes qui ? Je vais tout casser, Danny. Qu'est-ce que tu me branles, là ? Ah oui ! Quoi de beau ? Je sais pas qui c'est. C'est Danny que j'ai au téléphone ? Bien sûr ! Pourquoi ? T'es qui, Hermano? Pourquoi t'as le numéro de ma Hermana? Mais j'ai pas le numéro de votre Hermana. Mais qui est votre Hermana? Dani? Si, Dani. Mais elle est juste à côté de moi, elle est sur haut-parleur, vous inquiétez pas. Allô, oui. Je lui répète exactement ce que vous... Bah, qu'est-ce qu'elle m'a dit de répéter? Tu te fous de ma gueule en plus, Hermano. T'es qui? Dis-moi. Bien sûr que je me fous de ta gueule. Mais c'est Bernard Pichon. Tu t'appelles comment? T'es qui? Mais c'est... Allez, Bernard Pichon. Qui ça, Bernard Pichon? On connaît pas. Monsieur, la famille Pourquoi française. Pourquoi t'as le numéro de ma Hermana? Pourquoi t'as le numéro de ma Hermana? Mais j'ai pas le numéro de votre Hermana, elle est morte. Oui, mon cul, il est mort aussi. Non, oh, je sais pas, montrez-le-moi, vous êtes où? Foutez de ma gueule en plus. Mais non, je vous pose une question. Allô? Mais en fait, elle est où, ma Hermana? Pourquoi vous avez son numéro? Écoutez. Ah, c'est juste pas écrire un numéro. Bon, madame, comment vous appelez-vous? Regarde pas, d'accord? Vous allez me dire qu'est-ce que vous avez fait à ma Hermana? Si vous me dites comment vous vous appelez, je vous dirai ce que j'en ai fait. Je m'appelle Martha. Non, vous êtes une menteuse. Sûr que non, je suis pas une menteuse. Je m'appelle Martha, je te dis. Vous vous appelez Martha? Martha, Martha. Ah, Martha. Ah bah non, oui, là, vous n'êtes pas une menteuse. Martha, où êtes-vous? Je suis à l'épicerie du coin. Envoyez-moi une position, j'arrive avec votre Hermana. Oui, bien sûr, je vais t'envoyer une position. Tu crois que j'envoie des positions à des gens que je connais pas, tout le monde. Mais on se connaît, Martha, on se connaît, arrêtez un petit peu. Mais comment ça, on se connaît? T'es qui, Hermano? Martha? Je viens de retrouver un petit biscuit, vous en voulez? Ouais, je veux bien un biscuit, s'il te plaît, Hermano. Envoyez-moi votre position. Allez. Pendejo, dis-moi, pendejo, où elle est, ma Hermana, s'il te plaît, avant que je m'énerve. Bon. Commissariat. Elle est au commissariat. Oui, allez, va te faire foutre. Mais hey, c'est la vérité, Martha! Bah oui, j'y suis. Bah oui! T'es un poyos? Non, Martha, s'il vous plaît, ne confondez pas un pichon avec un poyos, Martha. Danny lui fait des bisous. Bah, ouais, t'as le droit d'être un poyos, qu'est-ce que tu veux que je te dis? Bon, écoute, pendejo de merda, dis-moi où est ma Hermana, pour que t'as son numéro, c'est pas compliqué, non? Siège passager. Parce que t'es en train de me faire perdre patience, là. Bon, il est temps que je vous dise la vérité. Dis-moi la vérité, petit pendejo, dis-moi vite la vérité. Ça fait combien de temps que vous l'avez pas vu? Dites-moi la vérité, vous. Bah, hier soir, je l'ai vu. Oh, merde. Non, je pensais pas en venir là. Oh, mon Dieu. Est-ce qu'elle vous a dit quelque chose? Elle paniquait quelque chose? Une phrase? Quelque chose de percutant? Elle m'a dit...
Je suis en danger. C'est vraiment ces derniers mots? Derniers mots, oui. Bah, laissez-moi vous dire que... Elle a passé l'arme à gauche. Merde. Non, mais du coup, sérieux, Armano, t'es qui, là? Tu commences à me gaver. Bernard Pichon, ça fait 2 heures que je vous le dis. Mais oui, mais t'es qui? Tu travailles où? Mais je travaille un petit peu partout, la famille Pichon. La famille Pichon, Martha! Pichon, ok. Et pourquoi t'as le numéro de ma hermana? J'ai le même numéro depuis un mois, Martha. J'ai rien modifié. Faut que je vais tout casser. Et vous avez essayé de m'appeler dans la nuit. C'est pour ça que je vous ai rappelé, Martha. Bah oui. Non, mais je vais tout... Parce que je vous assure que là, c'est le numéro à ma hermana. Après, je me suis peut-être trompé alors en notant son numéro. C'est peut-être de ma faute. Bah oui. Bah oui, mais y a pas de souci, Martha. Je me tue à vous le dire depuis tout à l'heure. Vous t'appelez comment, je dis? Bernard Pichon. Bernard Pichon? Bernard Pichon, une grande famille française. Import-export, cocaïne. Moi aussi, j'ai reçu un appel. D'accord, Bernard Pichon. Ok, tranquille. Mais du coup, vous venez d'où? Vous avez quel âge? Oh, vous voulez me pécho? Oh, désolé, je suis déjà prise. Bien sûr, moi aussi, je suis déjà marié avec ma petite Catherine. Avec Catherine. Catherine Madre Pichon. Mia. Je l'appelle la petite Cathy. Excusez-moi. Vous voulez nous voir ou pas? Après, mais du coup, j'ai une question. Vous me faites bien rire. Pourquoi vous voulez me voir? Bah, le cul pourri, non? Bah, parce que vous avez le cul pourri, Martha. De quoi? Bah, c'est vous qui m'avez dit. Mais vous voulez que je vous encule, vous? Oh bah tiens, avec plaisir. Alors, ce n'est pas ma spécialité, néanmoins j'ai un fils qui s'appelle Claude en ville. Est-ce que vous voulez que je lui fasse part de votre proposition, Martha? De quoi? Vous voulez que je lui fasse part de votre proposition, Martha? Non, faites rien peur du tout, gracias. Non mais vous êtes qui du coup, Bernard Pichon? Et comment vous avez mon numéro en vrai, genre vous... Mais vous m'avez appelé, dans la nuit, Martha. Oui, et vous faites quoi dans la vie? On fait beaucoup de choses, je vous l'ai dit. Import-export, cocaïne dans le jean. Quoi? On travaille l'import-export, madame. Est-ce que vous avez bu de l'alcool avant de décrocher? Vous avez tout cassé, mais vous êtes ça au téléphone, non? Bah oui. Nous mais sommes... Vous savez qui? Mais imagine, je suis de la Guardia, Hermano. Mais vous n'êtes pas de la Guardia, on est la famille Pichon. Vous pourrez rien faire contre nous, voyons. Quand bien même vous seriez militaire. Oui, mais alors, famille Pichon ou quoi, si je suis de la Guardia, imbécile, tu ne sais même pas à qui tu parles. Oh, bah venez me chercher alors, je suis devant le commissariat. Bah oui. Bah oui. Mais comment ça t'aider? Mais écoute, non, mais pour de vrai, Hermano, pour de vrai. Mais je vous ai dit toute la vérité. Nous travaillons dans la cocaïne, je suis actuellement devant le poste, et si vous voulez, vous me verrez. Qui est mon père? Comment? En vrai, tu veux que je te dise comment je m'appelle? Allez, je m'appelle Louise. Enchantée. Louisa Avila, enchantée. Non, Louisa, c'est très mignon. Est-ce que vous fréquentez diverses... comment on appelle ça, Jean? Divers quoi? Des gangs, des... Comment on appelle ça, là? De la racaille. Bien sûr que non. De la racaille. Ah, de la racaille. De la petite frappe. Bien sûr que non, je crois que mon père frappe. Me tue. Ah, mon père me tue, je peux de vous la garantir. Petite merda, comme vous dites chez vous. Et de la petite merde de merde, Titi, des petits pendejos. Votre père, attendez, votre père vous tue, mais vous êtes la fille de qui? Toi, Villa. Comment? Ça vous dit quelque chose? Attendez, dites-moi le nom de votre père. Ernesto Avila. Mais vous êtes la fille de Ernesto? Eh oui. Mais bah, je travaille avec votre père. Avec mon padre, mais je vous jure, je vois pas, pourtant je travaille... Je travaille avec mon père, mais je ne vois pas du tout qui vous êtes. Mais... Non mais attendez, peut-être que vous avez pris notre numéro quand nous étions au bar. Avec Catherine. Mais non, je vous jure... Mais avec Cathy. Mais je vous assure que non, parce que le contact est nommé Danny. C'est embêtant. Passez-moi son numéro, je l'appelle. Non mais en fait... Non mais du coup, vous connaissez mon padre pour de vrai? Mais oui, mais je travaille avec lui. Ok.
Alors, je suis vraiment désolée de vous avoir un peu mal parlé. Mais non, mais il n'y a pas de soucis. Ah, je suis vraiment désolée, je croyais que c'était quelqu'un qui me faisait une blague, etc. Je suis vraiment désolée. Mais non, vous avez essayé d'appeler mon numéro tout à l'heure. Bon. Mais vous avez essayé d'appeler mon numéro dans la nuit. Parce que j'ai cru que c'était Danny. Non, mais il n'y a pas de soucis, vous me faites chier avec Danny. Mais Danny, vous voulez que j'invente le nom ou ça se passe comment? Mais non, mais justement, Louisa. Bon, bah écoutez, dites à votre père. Tiens, tenez, Louisa. Dites à votre père mot pour mot. J'ai discuté. Bon, dites que vous avez. Voilà, vous avez fait une erreur. J'ai discuté avec les pichons, ils vous passent le bonjour. Et vous verrez sa réaction. Et les pichons, vous faites quoi dans la vie? Mais je vous l'ai dit 20 milliards de fois, on est dans l'import-export cocaïne dans le jean. Mais vous le dites quand ça au téléphone, imaginez, j'étais là. On comprend rien. Ah oui, j'ai compris, d'accord. Oui, on a une boulangerie. On vend le fion oui, de ma femme. Voilà, oui. Là, je comprends. Bah oui. Vous voulez goûter au fion de ma femme, Louisa? Non, merci. Non, merci. C'est une spécialité. Bien mûr. Spécialité vendéenne. Non, mais par contre, je serais curieuse de... Par contre, je ne bois pas du tout. Ça capte mal, là, non? Ralentissez, je crois que ce... Les... Allez, on vous perd, oui. Ou sous un bureau ou un pont, je sais pas, mais... Oh, Louisa? Non, j'ai dit, je ne vois vraiment pas qui vous êtes, par famille. Ouais, elle nous fait chier. Rien du tout. Bah oui, bah écoutez, vous ça capte mal. Vous êtes à Caillou? Êtes-vous? Attendez. Ouais, elle doit être à Caillou Perico. Oui. C'est quoi son numéro? Vous m'entendez mieux ou pas? Oui, c'est mieux. Vous êtes à Caillou Perico? Non, je suis pas du tout. Je suis chez moi. Bon, du coup, vous connaissez mon père, putain, mais dites-lui pas que je vous ai mal parlé, je suis vraiment désolé, hein, je ne savais pas du tout qui vous étiez. Mais oui, comptez sur nous pour le dire. Por favor, j'étais pas du tout au courant. Mais oui, mais y a pas de souci. Bon, bah écoutez, comment ça s'appelle, votre Dani, là, c'est qui? Bah, Dani, c'est ma hermana. Mais elle est où? En fait, c'est pour ça, je comprends vraiment pas pourquoi c'est noté Dani à la place de votre... Ouais, je comprends pas du tout. Mais oui. Ça doit être une erreur ou un bug de mon téléphone, non, ouais. Bon, c'est pas grave, écoutez. Du coup, famille Pichon, ok, vous venez d'où? Oh, bah de France. De France? Bah oui. Ah ouais, incroyable, j'y suis jamais allée. Ça doit être un beau pays, non? N'y allez pas. Et vous venez d'où, de France? Un peu en bas, un peu en haut. Dites-moi, vous venez de Paris, s'il vous plaît, quand même. Mais bien sûr que non, on vient de... Est-ce que vous connaissez Noirmoutier? Voilà. Noirmoutier, non, désolé. On y trouve les meilleurs fions de France. Je me suis arrêté à la ville de Paris. Je viens de Costa Rica, donc. Oh, bien sûr. Oh, Costa Rica. Et, si je connais Marseille aussi. Marseille bébé, si je crois que c'est dans une chanson. Oui, bien sûr. C'est la bande organisée. Voilà, ça fait ce Marseille bébé. Ouh, ce Marseille bébé. J'avais entendu ça sur la radio au Costa Rica. Bien sûr, bien sûr. Attendez, monsieur l'agent, j'arrive tout de suite. Donc... Mais vous êtes vraiment au poste, non, vraiment? Bah oui, vous êtes sur haut-parleur, je vous l'ai dit tout à l'heure. Quoi? Non, monsieur l'agent, attendez, s'il vous plaît. Non, j'en dis ah, à monsieur l'agent. Ah, mais vous foutez, appelez-moi en face, s'il vous plaît, par favor. Non, et commandant Soulac, s'il vous plaît. Arrêtez. Courant pas, appelez-moi en FaceTime, par favor. Bien sûr, bien sûr. Je vous rappelle en FaceTime. Attends. Si vous me passez votre... Ça va la faire drôle, ça va la faire drôle. Je lui dis que c'est Danny. Ah mais vous êtes vraiment pas sûr. Bah oui, je suis pas un menteur. Je vais tout casser et vous parlez comme ça au poste. Non, bah comment voulez-vous que je parle? Comment voulez-vous que je parle? Ah moi, vous parlez comme ça, vous étiez dehors au moins. Mais non. Attendez, monsieur Soulax, tout à l'heure s'il vous plaît. Oh, ce commandant est insupportable. Bah attendez, je vous rappelle tout à l'heure parce que le commandant insiste. Très bien, allez, très bien. À tout à l'heure. À plus tard. Attendez, c'est comment? C'est Bernard Pichon. Monsieur Pichon. Bernard, c'est ça? Oui. Ça a coupé. Redites, s'il vous plaît. Oui, Bernard Pichon. Ok, au moins je note votre contact. Bien perfecto, sûr. Perfecto. Allez, si, buenas, à tout à l'heure, buenas. À tout à l'heure. C'est qui crie là, depuis tout à l'heure, dans le PDP là? C'est quoi ça? Excusez-moi, j'étais avec un grand badron de la drogue, vous dites? Bonsoir. J'ai dit, c'est qui crie là? C'est qui ouvre sa main à con depuis tout à l'heure là? De toute évidence, on est deux. Mais oui. Hein? Non, excusez-moi. C'est l'un ou l'autre. C'était moi, je n'ai pas maîtrisé les ondes sonores de. Attends, fais-moi monter avec toi. Ouais, ouais, t'as intérêt à maîtriser. Attends, fais-moi bon, on peut vous aider là, ici. Oui, est-ce que. Mais vous êtes Marshall?
Non, non, on est pompiers, non, monsieur. Lui, ah, c'est, bah, excusez-nous, c'est, si vous êtes pompiers. Non, mais excusez-nous, ça, vous nous intéressez pas, alors on cherche le LSPD. Oui, bah du coup, je suis là aussi, il y a quoi? Ah, monsieur, est-ce qu'on peut aller dans un bureau, s'il vous plaît, pour discuter? Actuellement, non. Bien sûr, bah dans ces cas-là, nous allons attendre. Bah oui, ça dépend, vous voulez parler avec qui, surtout? Bah, un agent du LSPD. Quelqu'un de capable. Mais par rapport à quoi? C'est oui, voilà. Par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Faut me dire plus, hein. Un bracelet retiré. Un bracelet ouais. Retiré. Ah, bah, c'est qui l'agent qui vous l'a mis? Ça, j'en souviens plus. Ah, mais, bah, oui, mais alors, pour retirer un bracelet, il faut que ce soit l'agent qui vous l'a mis pour qu'il dise pourquoi je ne peux pas le faire sans lui. Oui, mais le temps est écoulé. Comme on dit dans le milieu. Le temps est écoulé, êtes... mais ouais, les seuls qui ont les clés, c'est l'agent lui-même. C'est-à-dire que même moi, je ne peux pas le retirer. C'est dans mes temps. Mais peu importe, chacun, tout le monde peut retirer un bracelet. Mais non, vous appelez comment et c'est pourquoi? Jean Bourguignon. Hein? Il a dit quoi? J'ai quoi? Attends, pardon? Je crois Jean qu'il a demandé Bourguignon. Un bœuf bourguignon. Non, je m'appelle Jean Bourguignon. Il est sous notre gueule ou quoi, lui? Je crois que oui. Car identité, monsieur. Ah non, il se fout pas de notre gueule. Attendez, excusez-moi, quelle est cette diffamation, monsieur? Comment vous vous appelez, monsieur? Comment vous vous appelez? Un nom de moi, c'est Ganongo. Comment? Ou bien c'est Ganongo. Le meilleur plat au monde. Non, j'ai 4 milliards de choses qui me passent par la tête, mais on évitera. Vas-y, non, vous faites une incantation, monsieur? Mais attendez, je reviens. Incantation, mettez banga bata là. Pourquoi vous aimez un bracelet, Jean? Putain. Oui, allô? Allô, et bonjour monsieur Pichon. Oh, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je vois que de par votre prestance et votre allure, vous êtes quelqu'un qui doit être très à l'aise financièrement. Et je me demandais si c'était possible que vous puissiez me rendre un service. Vous ne déboursez rien du tout, bien évidemment. C'est juste que, en gros, là, je dois acheter une moto. Et j'ai pas la somme sur mon compte, j'ai les queues en liquide. Combien avez-vous en liquide? J'ai 22 000 en liquide. Et combien coûte la moto? La moto coûte 15 000. Bah écoutez, je suppose... Et que voulez-vous? Ah, vous voulez qu'on vous les avance? Non, je veux que tu le payes via une facture et moi je te la rembourse direct sur place avec du liquide. Mmh. Rajoute un billet en plus. J'entends bien. Très bien. Écoutez, je finis quelque chose, je vous rappelle tout à l'heure. Vous n'êtes pas pressé dans l'immédiat? En fait, ouais, c'est quand même un peu pressé, c'est pour ça. C'est parce que vraiment, j'ai besoin de cette moto. Est-ce que je peux vous rappeler dans quelques minutes? Très bien, y'a pas de problème. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci, Sarkhan. Pas matricule à côté de son nom, non? Le bracelet attends, sans autorisation. C'est qui? C'est qui matricule combien? C'est... Attends... La personne qui m'a mis la main était une personne assez fatiguée de souvenir. C'est l'agent. Enfin, elle était pressée. 3505. 3505, son numéro de téléphone. Ah Bernard. Non, c'est 88, mais c'est 88. Hein. Ils comprennent pas pourquoi dans mon dossier il n'y a pas écrit bracelet. C'est Kelly, frérot. Mais bien sûr, c'est ce que qu'ils comprennent pas. Vous avez vu, ils connaissent pas. Attendez, j'appelle, oui, vous savez très bien que je connais très bien, mais il est pas là, 88, du coup, assez, vous attendez. 88, c'est bon. C'est lui qui a mis le bracelet, du coup. Courage à vous, moi je vais aller arrêter Darakaï, là. Ouais, pour ça, vous. Darakaï, elle est arrêtée, là, ça vend des trucs de partout. Bougez pas, attendez. Après, c'était peut-être une erreur. S'il vous plaît. Longo. Il a peut-être mis sans faire exprès, vous savez, comme les femmes qui commencent à attendre. Attendez, je suis en train de voir où il, votre bracelet électronique où il est noté. 2 secondes. Bien sûr. Il vous l'a mis à combien de temps? C'était il y a combien de temps, tonton? Une semaine à peu près, une semaine et demie. Oui, voilà. Je pense qu'ils se sont trompés de Bourguignon, si vous voulez mon avis. J'ai Bourguignon Pierre là. Bah oui, mais là c'est Jean, vous moi avez. Moi c'est Jean. Non, ils se sont trompés de Bourguignon, c'est embêtant. Tu
attendez, je vais voir sur le profil de Bourguignon Pierre, parce que c'est à lui qu'ils ont fait le rap, le truc. Hein. Bah, me dites pas quand même qu'ils se sont confondus entre mon frère et moi. Bon, surtout qu'en plus, à ce moment-là... Le problème, c'est qu'ils ont mis un bracelet à Pierre Bourguignon, le problème, c'est que lui-même n'est même pas identifié sur la base de données. Ah bon? Comment ça, il n'est pas identifié? Passez-moi votre carte d'identité, vite fait. Attends, mais c'est vous, Pierre Bourguignon, merde? Mais non, tenez. Vous êtes des cargements? Non, arrêtez, monsieur, c'est ridicule. Arrêtez, ça on les reconnaît à... Bah entre oui, deux. Messieurs, je ne voyais pas sur les mots, vous êtes frères jumeaux, oui ou non? Bah non. Pas à 100%, il y a un détail au front. Vous l'êtes, oui ou non? Parce que sur les deux photos, c'est vous tête. Alors soit vous faites... 99%. Oui, bah voilà. Vous êtes frères jumeaux, du coup, oui. Mais ça change rien. Venez. Oui, je viens. C'est embêtant. Alors, ça s'est passé quand, du coup, m'avez dit exactement? Il y a une semaine. Vous avez pas une date pour m'aider, vraiment? Ça devait être quoi, dimanche dernier? Braquage de bijouterie? Oui. Le 8? Ouais, c'est ça. Lundi? Ah oui, alors ça, oui, ça devait être lundi matin, vers 2-3 heures du matin, en ordre continental. Pff, oh là là. C'était un calvaire déjà cette soirée-là. Non, pas ça, c'est que vous êtes frères jumeaux et c'est, ça casse les couilles en fait. Vous avez payé votre amende, sûr? J'ai été débité sans même le vouloir, mon amende, dans tous les cas. Oui, c'est automatique, si vous ne payez pas, ça débite tout seul. Hein. Bah oui. Voilà. Non, putain, pute. C'est pour ceux qui abusent, justement. Parler, moi aussi. Attends. 80, 88, est-ce que tu es là? Merci Zidrox. Une semaine en plus. Bah oui, mais on est passé en fin de semaine. Déjà, garde à vue, j'étais resté plus d'une heure. Oui, allô? Allô, monsieur Pichon, vous allez bien? Ça va très bien, et vous, ma petite Mélo? Oui, ça va. En fait, hier soir, je vous ai appelé parce qu'il y avait un combat pour avoir des clés. Dites-moi plus. Du coup, j'ai pensé à vous. Bah, parce qu'en fait, vous voyez, c'est qui, Clétus? Bien sûr, bien sûr. Bah, en gros, il a organisé un combat à mort. Genre pour avoir des clés, etc. Les récompenses des clés, vous voyez ce que c'est ou pas? Bien sûr, mais attendez, à mort, mort? Pour les derniers du classement, oui. Et combien de personnes sont mortes? Il y en a qu'un seul qui meurt. Mais c'est qui? Qui est mort? Un mec des Wu. Vous l'aimez bien? Non, je m'en fous. Bah, dans ce cas-là, tout va bien, Mélo. Bah, ouais. Mais c'est juste que voilà, je voulais vous inviter hier soir parce que, comme vous venez d'arriver, vous avez sûrement pas encore de clés et tout pour faire des participer aux ventes aux enchères. Donc, mais vous étiez pas là. J'ai appelé toute votre famille et vous étiez pas là. Oui, vous savez, Mélo, le samedi, c'est. Comment dire? C'est. En France, c'est sacré. C'est le jour du Seigneur. Ah, c'est jour pour se bourrer la gueule, c'est ça? Oh, un petit peu, c'est ça. Se bourrer la gueule ou bourrer Kathleen. D'accord. Voilà, vous étiez en train de bourrer Catherine. Oh, écoutez, Mélo, vous avez quel âge, Mélo? 21. Oh, bah ça va, vous êtes majeur, mais bien sûr que je l'ai bourré, Mélo. L'a bourré le chat ou la Catherine? Bah la Catherine. D'accord. Voilà. C'est bon, la boirage, du coup. Je peux vous mais dire... Mais du coup, ouais, vous avez raté, c'est pas grave, il y en aura d'autres, mais... Oui, mais voilà. Je peux vous dire que Catherine, je l'ai pas raté. Ben, j'espère que vous avez pas raté le trou, hein. Oh, bah bien sûr que non, elle en a pris plein la gueule. Ah bon? Bah oui. Mais ça, plein la gueule, c'est pas dans la zigounette, normalement? Arrêtez, Mélo, vous voyez... ne prenez pas ça au pied de la lettre. Ben, je sais pas, moi, j'ai encore rien fait. Oh, Mélo, bah, vous voulez que je vous présente Claude? J'ai déjà un petit copain, il s'appelle Didier. Didier? Mais il est français? Non, il est pas français. Bon, bah pourquoi s'appelle-t-il? Pourquoi s'appelle-t-il Didier? Pas Didier, TJ. Ah, TJ, d'accord, je pensais que c'était Didier. Oui. Bah, je l'appellerai Didier. Mais ça marche, je vous le présenterai si vous voulez. Bien sûr, ma petite Mélo. Parfait, bah écoutez, Bernard, si j'ai encore un plafond, je vous tiens au jus. Bah oui. N'hésitez pas pour votre transaction là. Bah oui, merci de nous avoir tenus au courant. Pas de soucis, et dites à Catherine que c'était pour ça que je voulais l'appeler, parce que j'ai appelé toute votre famille. Hein. Oui, bon, n'hésitez pas, Mélo, n'hésitez pas. Parce que je vois qu'elle vient de m'appeler, là. Elle vient de vous appeler quand? Là, à l'instant, là. Mais elle est insupportable, cette Catherine, elle préfère vous appeler vous que moi.
Bah oui, elle m'aime trop. Eh ben, appelez-la et dites-lui qu'elle m'a oublié. D'accord, bah je vais faire ça, monsieur Bernard. Voilà, merci, Mélo. Bis, monsieur Pichon, ciao. À très bientôt. Ah, bye. Oh, je suis un menteur, elle m'a appelé moi. Hein? Cathy? Oui? Mais que faites-vous? Vous avez encore chié partout? Non, je viens de sortir de la maison. Oh, j'espère que vous avez tout nettoyé. Oui, bien sûr. Mais vous savez, votre petite diarrhée qui vous a pris vendredi soir. Oui, 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 je sais de quoi vous parlez. Mais oui. Vous êtes où? Je suis en magasin de vêtements, j'arrive. Je suis au poste, rejoignez-moi. Je vous rejoins. Bien sûr. À tout de suite. Merci Trixie, merci Bichette pour le 29e mois. Trixie, j'avais vu ton message, mais ouais, si tu veux un de ces quatre, mais faire un projet, t'hésites pas, hein, tu me dis. Hein. Tu me dis. Hein. Y a pas de souci là-dessus. Hein. J'avais pas répondu, on avait fini très très tard. Et vu que j'ai pas live entre temps. Tiens, attendez. Qui c'est ce numéro là? Qui ça peut être? Je crois que c'est quelqu'un de Caillou Perico. Bon, attendez. On va faire les choses en ordre. La petite Louisa. Louisa Ernesto. Ok. Louisa Ernesto. Ok. L'autre, on sait pas qui c'est. On va attendre que ça me rappelle. North, c'est un petit... C'est la petite racaille pas spécialement la plus... lui sert à rien, quoi. Donc... Oui, allô? Allô? Oui. Oui, on va faire une petite photo. Apparemment, ils ont foiré les photos aussi. Mais vous êtes où? On descend en bas. Bah oui, vous voulez descendre où sinon? Bah par où en tout cas. Bien sûr. Bon, bah vas-y, faites vite. Bah attends. Oh putain, c'est. Hey, c'est incroyable! Merci Nikoko. Merci pour le 35e. Allô? Mais non, c'est pas chaud, flashback. Oui, Louisa? Allô? Quoi le. C'était quoi ce bruit? Mais quel bruit? Bruit bizarre, une musique. Une musique? Quel genre de musique? Attendez, je vais tout casser! Mais vous me faites peur! Attendez! Je crois qu'il y a un problème. Dites-moi, Louisa. Mais c'est vous qui mettez de la musique. Mais quel genre de musique? Je ne comprends pas. Oh, il y a une musique bizarre d'une chica qui chante. Louisa, vous êtes sûre que vous allez bien? Mais je vais super bien, mais c'est vous qui mettez... Mais si, ça doit être dans votre coaché, à mon avis, non? Non, je vous assure, Louisa, je pense que vous avez des graves problèmes. Non, je vous l'assure. Non, Louisa, j'insiste sur le fait c'est que... C'est la folle. Louisa... Non. Louisa, ça ne peut... Ça non. Peut je vous certifie que ça ne peut pas être moi, Louisa. Et je vous jure que j'entends un truc. Non, écoutez, Louisa, je ne sais pas quelle drogue vous avez consommée, mais ça doit être très puissant. Non, allez, non, mais dites la vérité, j'en suis sûre. En plus, depuis tout à l'heure, vous me faites marcher. Non, mais Louisa... S'il vous plaît, Louisa. Écoutez, s'il y a bien quelqu'un qui ne ment pas dans cette ville, c'est moi, Louisa. Regardez quand c'est vous avez pas cru. C'est possible, là vous... j'entends. Mais je vous dis que. Non, mais attendez, ça ne peut pas. Je vous dis que non. Vous foutez de ma gueule, vous mettez la musique dans votre voiture. Non, écoutez, Louisa, s'il vous plaît, il va falloir me croire. Je vous dis que je n'ai pas de musique. Pourquoi avez-vous essayé de m'appeler, Louisa? On s'est fait savoir, oui. Vous avez déjà eu des rendez-vous avec mon padre? Bien sûr. Pierre? Oui. Vous entendez une musique ou pas?
Non. C'est bien ce que je pensais, donc il n'y a pas de musique de mon côté. Dites-moi, Louisa, Ernesto, c'est quand qu'on a vu Ernesto, Pierre? Il y a quelques jours, 3 jours. Il y a 3 jours, 4 jours. Mais c'est pas possible, j'étais là, c'est impossible. Non mais Louisa, vous essayez. Louisa, je crois que vous êtes dans une réalité parallèle, alternative. Je pense que l'effet de la drogue a bougé votre cerveau, Louisa. Je vous assure que j'étais là il y a 2-3 jours, c'est impossible. Louisa, je pense que vous êtes cinglée, voilà, les termes sont dits. Quoi ? Du coup, ils ont essayé d'appeler le téléphone. Pardon ? Bah oui. Et même quand j'ai dit, bah, je me suis juste trouvé. J'ai une question, vous foutez de ma gueule, rassurez-moi. Écoutez, Louisa, bref, non. Est-ce que vous entendez une musique? Les abus de ceux qui payent pas les amendes, ça dit. Non, j'en entends pas. Là, vous entendez rien là? Non. Bah alors pourquoi vous me parlez d'une musique? Moi, je l'ai pas payé encore, mais du coup, faut que je repasse vers. Tout à l'heure, vous en non, avez mis. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Dans la côté, j'en suis sûr, vous en avez mis. Mais n'importe quoi. Oui, les gars, que quelqu'un re-sub. Que quelqu'un sub. Mais, cas, vu que du feu. Mais écoutez, Louisa, réellement, je ne sais pas ce qui vous arrive. Est-ce que vous allez bien? Vous êtes où? Moi, là, je suis en train de rouler en coaché. Mais est-ce que vous voulez me rejoindre? Pourquoi vous voulez qu'on se voit? Là, est-ce que vous entendez quelque chose, Louisa? Je vous entends si vous m'entendez. Un, deux, est-ce que vous m'entendez? Non, mais est-ce que vous entendez une musique? Réfléchissez, Louisa. Mais là, je n'entends pas de musique. Donc le problème venait de chez vous, Louisa. Non, c'est impossible. Tout à l'heure, c'est vous qui avez mis la musique à vous. Non. Foutez de ma gueule. Mais non, non. Bon, écoutez, est-ce que vous voulez que je vienne vous voir avec ma petite femme, Catherine? Vous êtes où? Vous savez quoi? Attendez, vous êtes où? Ouais, je suis encore au poste. Attendez, monsieur l'agent. Vous faites quoi? Non, c'est pour ça que vous foutez de ma gueule. Mais pourquoi vous êtes au poste? Vous faites quoi au poste? Mais là, j'attends de sortir. Bah, c'était l'idée de mon frère, moi, il est con, votre frère. Ah, parce que vous aviez eu des problèmes avec la... Sinon, les poyos? Mais bien sûr, on a toujours des problèmes avec les poyos. Bon, on va partir avec Bernard, je pense. Ok. Los poyos hermanos. Vous savez quoi? J'arrive au poste, j'arrive. Bien sûr. Ouais. À tout de suite. À tout de suite. Dommage, mon frérot. Dommage, dommage. Merci beaucoup. Attends. Voilà. Je m'en tifle. Je sais pas ce qui se passe. Merci, Angel Dark, pour les 5 euros, mon frérot. Merci beaucoup. Fais gaffe. Les logos Twitter et Insta sont buggés en haut à droite. Ah oui. Dites-moi, Pierre. Oui. Bah, dites-moi. On s'est fait cramer. Il y a un des icônes oublié d'échanger. Le téléphone. Il a essayé d'appeler Jean. Il a vu que mon téléphone sonnait pas. Il a appelé Pierre, mon téléphone sonnait. On a oublié ce détail. Mais les dossiers étaient apparemment incomplets. Donc il n'a rien vu. Et il faut que je repasse à 1h du matin à faire retirer mon bracelet, du coup. Voilà. Pourquoi j'entends un chien? Attendez, les gars, voilà, c'est bon. Merci. Bernard. Oui, votre question m'a fait... Enfin, votre histoire m'a fait chier. Oui. Donc j'étais en train de m'endormir. Allez, montez. Alors, allons-y. Mince. Et Catherine qui répond pas. Ils sont en train de chier. Ah bah. Qui conduit? Mais c'est celui qui boit pas. Du coup, on fait quoi? On retourne à la villa? Attendez. Ou je reste ici. Oui, où êtes-vous, Catherine? J'arrive au poste. Dépêchez-vous. Comment? Dépêchez-vous. Et j'arrive. C'est terrible. Vous savez quoi? Vous allez chercher Catherine? Non, je vais... Elle arrive. Ah oui. Sinon, je vais prendre une voiture et je vais aller rejoindre les... J'allais dire les Bourguignons, mais c'est nous. Bien sûr. Les Lambert et mon frère. Oui, Louisa, vous êtes où? Et j'arrive. Bonne là, soirée, Bernard. Bonne soirée, Pierre. Je sors de... Voilà, je suis un rider. Je suis vers le casino là. Bien sûr, à tout de suite, Louisa. À tout de suite. Y'a rien qui va. Hein?
Vous êtes où, Catherine? Je suis au poste de police. Mais c'est pas possible, je vous vois pas. Si, je suis juste ici au feu rouge. Dépêchez. Je vous vois. Ben oui. Où avez-vous trouvé ce SUV? C'était devant la maison. Vous allez bien, Catherine? Oui, ça va toujours bien. Bah, je suis là, ouais, voilà. Oh, s'il vous plaît, allez, faites-moi un petit bisou. Mm-hmm. Bah, allez-y, faites pas la timide. Oui, bien sûr. Non, oh, bah, dites donc, Catherine! Je ne suis pas votre bébé, je ne suis pas Claude! Bah, non. Mais oui. Bah, je n'embrasse pas Claude. Bah, oui, enfin, tout de même, vous avez embrassé ma moustache. Bah, oui, comme d'habitude. Oui, je sais bien que cette petite moustache, c'est mon petit. Oui, c'est votre petit charme. Bien sûr. Que faisiez-vous ici? Ah, je vous fais un récapitulatif. Pierre Bourguignon a tenté quelque chose de totalement stupide. Il s'est fait cramer. Qu'a-t-il tenté? Oui, il a tenté de se faire passer pour Jean. Oh. Mais il a oublié un détail, c'est que la police allait appeler le numéro de Jean pour savoir si c'était bien Jean. Et le vrai Jean a décroché. Ils sont cons. Oui, il n'est vraiment pas... Bah oui, je les ai laissés faire pour voir jusqu'où ils iraient dans leur connerie. Bah, ils y sont allés, hein, du coup. Ernesto, rappelez-moi, Ernesto, c'est le big boss de Caillou ou c'est juste en dessous? Non, 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 Ernesto, c'est le big boss de Miravalles. C'est quoi, Miravalles? C'est un... Ah, bah, attendez, regardez. C'est la petite Louisa. C'est un cartel. Bon, du coup, je vais l'appeler. Oui, d'ailleurs, il m'a appelé, il voulait faire quelque chose avec notre famille ce soir. Bonsoir, Louisa, comment allez-vous? Si, bonsoir, tranquille. Bonsoir. Bah oui, bah, ça va très bien. Vous devez être Catherine, c'est ça? Oui, sure, c'est moi, enchantée. C'est ma femme, oui, Catherine Pichon. Mm-hmm. Du coup, c'est vous que j'ai appelé tout à l'heure et qui avez mis la musique dans la coche? Non, je n'ai pas mis de musique encore une fois, Louisa. Mais je vous assure... Je pense que la drogue vous détruit le cerveau, Louisa. Je prends pas de drogue. Bah, dans ces cas-là, l'alcool vous détruit le cerveau, Louisa. Sorry, qui êtes-vous? Moi, je m'appelle Louisa Avila. Oh, ok. Ernesto, ok, ok. Bah, j'ai eu votre père il y a quelques minutes au téléphone. Merci, Michael, pour le 23e mois. Merci, Falchex, pour le tiers. Père, au téléphone? Mmh. Oui. C'est impossible, il est encore au Costa Rica. Ah, je vous assure que je l'ai eu. Attendez. Je vérifie. C'est très bizarre. Je vous assure, c'est impossible. Non, mais je pense que dans votre famille, vous n'êtes pas synchronisés. Non, 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 sorry, j'ai pas eu Ernesto, j'ai eu Nestor. Wow. Ah, je fais un semblant. Je connais, je connais. Mais il souhaiterait d'ailleurs nous voir, Nana. Bien sûr, nous irons la voir. Bon, bah écoutez, Louisa, je vous souhaite pleine guérison pour votre maladie terrible. Mais j'ai aucune maladie. Mais pour qui vous vous prenez? J'ai aucune. Mais non, mais vous entendez des musiques, voyons. Mais vraiment pas, je vous jure que c'est vous qui vous amusez avec moi au téléphone. Je vous assure que non. Catherine? Oui? Voilà, j'ai peut-être un problème, moi, je fais ça. Figurez-vous que la petite Louisa, excusez-moi Louisa, mais la petite Louisa m'a appelé, elle pensait discuter avec une certaine Dani, c'est ça? Danette? Dani. Ok. Malheureusement, elle est tombée, enfin, heureusement, je dirais, elle est tombée sur mon numéro. Oui, non, vous, c'est Nana. Bien sûr. Je vous assure que, vraiment, c'est le 80, et vous, c'est le 80, ou c'est l'inverse? Vous, c'est 80 et ma hermana, c'est 81. Et en fait, je m'étais trompée. J'ai mis 80. Mais il n'y a pas de souci. Quel est le jeune homme derrière vous? Moi, hermano. Voilà. Bonjour, monsieur. Qui êtes-vous? Ah, moi, je m'appelle Guerro. Enchanté. Non, enchanté, monsieur. Vous êtes le mari de cette demoiselle? Non, moi, hermano. Juste un amigo. Un amigo, hermano. Hermano, c'est un frère, non? Oh, mais c'est pareil, amigo, frère, c'est moi, hermana. Oh, non, non, vous vous souvenez de vos cours d'espagnol? Bah oui, je m'en souviens un petit peu. Bien sûr, paella, gambas, tout ça. Paella. Et du coup, vous parlez un poco... Comment ça, d'ailleurs, paella, gambas? Pourquoi vous associez tout de suite? Non, he said... Non, il a dit... Non, mais c'est mes cours d'espagnol. Ok, très bien, muy bien. Du coup, vous parlez un poco espagnol? Si. Voilà. Démonstration quand même. Bah voilà. Non, on peut pas faire mieux. Elle était au maximum. Et du coup, d'où vous vient ce superbe accent, d'Angleterre.
D'Angleterre, ok. Mm-hmm. Vous êtes anglais. Oui. British. Exactement. Et du coup, vous êtes rencontrés comment, tous les deux? Sans indiscrétion. Mmh. Ça fait déjà 30 ans qu'on est mariés. Mais oui, c'est un accident de voiture. Oui. Un accident de coche? Mmh. Oui. C'est Catherine qui conduisait. Et il conduisait en face. Bien sûr. Je vais pas le dire, mais... Elle a tué toute sa famille dans cet accident. Non, je n'ai pas tué toute ma famille. Il reste qui, Catherine? Il reste mes cousins. Bah oui, mais parce qu'ils n'étaient pas dans le véhicule. Oui, donc ce n'est pas tous ma famille. Oui, c'est vrai, j'étais peut-être un petit peu trop fort sur les termes. Oui, tout à fait. Bien sûr. C'est vous qui conduisez, du coup, madame. Oui. Et nous sommes rentrés dedans, littéralement. Après, femme au volant, mort retournant. Oh, tout de même, tout de même. Vous n'avez pas spécialement tort, néanmoins, tout de même. Anyway, je ne pense pas que ce soit le sujet. Bien sûr. Mais écoutez, ma petite Louisa, vous passerez le bonjour à votre père. Si ça marche, quand il reviendra, je lui passerai le bonjour. Et du coup, vous êtes, vous avez des enfants, etc. Juste... Non, Charles, un enfant. Vous avez un fils. Oh, où est-il d'ailleurs? Ah, vous avez un fils, trop bien. Oui, ça vous ne devinerez jamais où il est, Catherine. Je l'ai fait. Il pêche. Oh mon Dieu. Je n'ai jamais voulu de fils. Claude. Ça c'est dommage. Vous n'avez pas vu sa gueule. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Claude, parce que je le déteste. Tu es venu dans cette ville pour devenir pêcheur? Détester, mais moi mon père il me déteste, mais je... D'accord. Je pète un câble. Non mais j'attends que ça, que Claude pète un câble. Tu en as parlé à ton père? D'accord, donc tu comptes peindre avec quoi? Avec des poissons? Et du coup vous avez quel âge? Attendez, Catherine, mettez-le au parleur qu'ils entendent la voix de notre fils. Non, ça ne va pas, Claude, ça ne va pas. Tu arrêtes pas de pêcher. Et c'est un rapport de l'argent. Regardez comme il est con. C'est un rapport de l'argent, mais... Mais il n'y a pas que ça dans la vie, il n'y a pas que la pêche. Bah non, il y a les vols aussi. Bien pêcher. Vous n'avez pas d'argent, votre chico? Non, mais non, c'est une catastrophe. Il a arrêté l'école, il est déscolarisé. Mais c'est qui c'est? Qui Regardez, non, mais non, j'ai arrêté l'école, les... Non, mais c'est pas un débrouillard. Dites-vous qu'il est encore puceau. C'est la honte de la famille. Claude se fait suivre. Claude se fait suivre. Très par bien, qui il attend. Mais je ne sais pas. Très bien, ça vient. Il attend le mariage, c'est tout. Oh, il a 25 ans. Et alors? Le mariage, alors, le mariage l'attend aussi, je crois. S'il va attendre 30 ans pour se marier, il attend 30 ans pour se marier. Oui, bien sûr. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Il y a une autre vision de votre fils, je vous assure que. Que vous vous trompez à ce sujet. Vous avez les enfants, moi-même j'en fais partie. Hein. On veut souvent. Vous avez quel âge, madame Mouza? Moi j'ai 20 ans. Je suis 20 ans, vous êtes dans la fleur de la jeunesse. Bien sûr, bien sûr. Attendez de voir la gueule de Claude. Vous m'aurez donné combien? Un petit peu plus, pour être honnête avec vous. Ah, gracias, ça m'a pas trop plaisir, mais bon. Non, on va dire que votre manière de vous habiller est, comment dire, très. Adulte. Élégante. Disons que j'ai pas trop le choix avec mon patari. Je vous avoue que si c'était moi, je m'habillerais en mini-jupe, etc. Mais bon, pas trop le choix. Non, en mini-jupe, carrément. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Pas en mini-jupe, mais vous voyez, un peu plus... jeans. Caliente, comme vous dites. Etc. Si, moi, caliente, si. Bien sûr. Un peu... que calor, vous voyez. Bien sûr. Catherine. Mais bon. Oui. Vous m'inquiétez. Oui, j'essaie de comprendre, attendez. Catherine qui essaye de comprendre. Hello? Oui, Jean, est-ce que vous êtes avec Claude? Comment? C'est encore votre fils? Vous vous êtes fait suivre? Oui, bien sûr. Est-ce que vous vous êtes fait suivre? Et vous travaillez dans quoi exactement? Nous sommes dans l'import-export. Comment? Nous sommes dans l'import-export. Je suis cardiaque. Oui, non, mais à part dans la boulangerie, vous faites autre chose à côté? Ah, nous essayons de... Comment dire? De vendre notre vin. Oui, je sais. Mais vous savez, le fion de ma femme se vend très bien. Mais comment vous parlez d'elle? Mais vous croyez que... Mais je ne parle pas d'elle, je parle de son fion, madame. Il y a une différence. Ma femme, c'est ma femme. Son fion, c'est son fion. Mais je peux vous dire que son fion, quand il sort du four et qu'il est bien baveux, c'est excellent à manger. Vous êtes un petit con, je vous aime bien. Mais encore, vous n'avez pas vu la version du dimanche, elle rajoute
des petites pépites de chocolat dans son fion. Je vous cache pas que j'en... Vous en raffolez tous les dimanches. Oh, c'est la tête la première dans son fion, je vous le dis. Ah, d'accord. Bah oui. Bah pourquoi vous rigolez, monsieur? Bah parce que vous êtes un petit comique. Non, mais c'est une spécialité vendéenne. Vous venez de la Vendée? Bah bien sûr. Mais la Vendée, c'est en France. Loin. Ouais, c'est loin d'ici. Bah oui, bah là-bas, je suis français. Le vin, la pâtisserie... Madame... Goûter un vin français, vous n'en avez pas une bouteille que j'en ramène une à... Oh, malheureusement, nous avons tout vendu. Madame, puis-je vous poser une question? C'est des... Dites-moi. Peut-être que vous n'avez pas été en France, néanmoins, avez-vous déjà mangé ou apprécié un bon gros gland, madame? Dites-moi, soyez honnête avec moi. Je suis français. Non, j'ai jamais goûté. Vous avez jamais mangé un bon gros gland? Non, jamais. Bien baveux, au premier croc, ça déborde, ça chicle. Non, jamais. Oh, c'est délicieux. Bientôt. Bien sûr, c'est la crème pâtissière. Ça, je vous cache pas que ça me... Oh, ça me fait de l'effet. Mais vous, monsieur, avez-vous déjà mangé un bon gros gland? Vous avez une tête à avoir goûté de gland, monsieur. Ouais, j'ai une tête de gland. Non, vous avez une tête à avoir mangé un gland. À avoir mangé un gland. Bah oui. Du coup, apparemment, vous avez un gros fion. Pardon? Non, mais c'est ce que... C'est ce que le Seigneur dit. Catherine, je lui parlais... Non, mais je crois qu'elle... Je lui parlais de votre spécialité, votre fion à l'ancienne. Oui, bien sûr. Oh, j'ai mal compris. Oui, bien... Oui, j'ai une recette assez spéciale des pichons. Bah oui. Un peu baveux. C'est la recette familiale. Bah oui. J'aimerais bien goûter, franchement. Oh, vous allez voir, c'est un mets délicieux. Nous allons bientôt les commercialiser, je pense. Une vraie question, oui, si jamais vous avez encore une bouteille de vin, je serais prête à vous en acheter quelques-unes si vous refaites de la production, en effet. Sure, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Nous allons prévoir ça. Vous serez bon la première français, informée, Louisa. C'est bien. Un bon vin français ferait plaisir à mon père. Sure, bien avec sûr. Plaisir. Bien et puis-je avoir votre numéro, Louisa? Bien évidemment, fille. Nana? Dites-moi. J'ai eu Jean et tout va bien, il s'occupe de Claude. 84-42. Claude m'avait dit qu'il se faisait suivre, alors que pas du tout. Quand je vous dis que ce gamin est con... Mais non, j'en suis sûre que vous vous trompez. Oh, d'ailleurs, Louisa, j'ai une petite question. Oui, dites-moi. À quel âge avez-vous? 20 ans. 20 ans. Ok, parfait. Vous êtes assez jeune. Est-ce que... Et elle n'a encore jamais mangé de gland. Oh. Vous devriez essayer. Ni même un bon fion. Est-ce que vous pourriez apprendre la vie à mon fils? C'est-à-dire apprendre la vie à votre fils? Eh bien, lui faire découvrir la jeunesse ici, you know? Le faire sortir, etc. Oui! Lui apprendre comment les jeunes d'ici vivent, you know? Ils traînent souvent avec nos autres enfants. Des gens de basse classe, c'est ça? Non, pas du tout, mais ce sont des gens qui n'ont pas son âge. Ses amis ont 40 ans. Si, pourquoi pas? Ah. Ouais. Si, avec plaisir. Un guerrier, ça pourrait se faire en vrai. Hein? Mm-hmm. Amènerait en soirée et tout ça. Non, carrément. Vous savez, je vais souvent sur Cayo Perico. J'ai d'assez bons contacts là-bas. Et vous savez, il y a beaucoup de jeunes de notre âge, justement. Parfait. Bon, je peux vous donner son numéro? Oui, bien sûr, je vais prendre votre numéro. Envoyez-moi une message. Moi, je peux enregistrer votre numéro aussi. Ok. Je vous ai envoyé son numéro. Parfait. Alors, comment ça se passe, le live de David? Attendez, je vais voir les photos d'une collection qu'on m'a envoyée. Ok, parfait. D'ailleurs, si jamais, Seigneur, vous voulez des fois contacter mon padre, etc., n'hésitez pas à s'il ne vous répond pas, me contacter. Je suis pas sa secrétaire, mais on va dire que... Bon, je m'occupe un petit peu des rendez-vous, etc., vous voyez. Je transmets. Bien sûr, bien sûr. Mais écoutez, Louisa, en tout cas, ravi d'avoir fait votre connaissance sur ce malentendu. Si, moi de même, excusez-moi... de vous avoir mal parlé tout à l'heure. Non, mais il n'y a pas de souci, ça arrive.
Je ne pensais vraiment pas que... Je pensais vraiment qu'on faisait une blague et qu'on avait fait du mal à ma... à ma hermana. Bien sûr, non, il n'y a pas de souci. J'espère qu'elle va bien. Si, si elle va bien, ne vous en faites pas, je l'ai appelé au téléphone. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à venir un jour goûter un de nos magnifiques glands. Oui, n'hésitez pas. C'est gracias. Bien sûr. Je dirais la proposition. Mais oui, ils sont bien épais. D'accord. Mm-hmm. Et ça a quel goût? Oh, crème pâtissière. Oui. Mmh. Vous savez à quoi on reconnaît un bon gland? Au glaçage, au glaçage. Bien sûr. Au glaçage. Et au premier croc dedans, ça gicle un petit peu la crème pâtissière. Oui, c'est ça. On en met pas assez. Mais ça, les glands, seigneur. Oh, le gland, c'est exceptionnel, mais je préfère le fion de ma femme. Vous préférez le fion? Mais bien sûr, encore une fois, c'est sa spécialité. Ah oui. Apparemment, le dimanche, c'est pépites de chocolat. Oh, non, arrêtez, arrêtez. Vous voyez, ça me donne déjà envie. Catherine, allons-y. J'ai hâte d'être dimanche prochain, dites donc. Au revoir, Louisa. C'est allez, à plus tard. Ravie d'avoir fait votre reconnaissance. Catherine, reste-t-il un de vos fions au congélateur? Oui, bien sûr. Bah oui. Non, oh, excusez-moi, monsieur. Non, désolé, vous allez bien? Seigneur, je vous jure, prenez des cours de conduite, por favor. Mais je n'ai rien fait à part reculer. Je n'ai pas de caméra de recul. Allez, je vous taquine. Pas de problème. Bon courage, monsieur. Attendez, dites à votre fils que si vous voulez ce soir, il y a sûrement une soirée, donc je passerai le chercher. D'accord? Bien sûr. Est-ce que vous seriez au festival? Comment? Est-ce que vous seriez au festival? Ah, il y a un festival? Regardez, je drifte, Catherine. Oui, sûrement. Il y a un festival de musique, oui. Bah, sûrement, on ira là-bas, si. All right, allez, parfait. Buenas, à plus tard. Oh, on a eu chaud. Ah oui, j'ai vu. Catherine, quoi de beau? À part vous, évidemment. Oh, attention. Il m'est rentré dedans, Catherine, vous l'avez vu. Oui, je l'ai vu dans le... Non, attention. J'ai souvent peur au volant maintenant. Non, bah serrez les fesses, ça évitera que ça sorte. Oui. Est-ce qu'on pourrait arrêter de parler de mes soucis gastriques? Oui, ça, bon, ça enfin, Catherine, tout de même. Oui. Dans la villa, tout le monde est au courant maintenant. Oui, bah je sais. Puis il y a les bruits. Anyway. Qui accompagne vos cris de douleur, Catherine? Oui. Oui, je sais. Que vous avez dû souffrir cette nuit d'ailleurs. Les bourguignons, les bourguignons sont sortis en panique, Catherine. Ils ont cru que quelqu'un se faisait torturer. Ah oui, quand même. Merci Zemineo pour le tir 3. Bonsoir. Oh, bonsoir mon garagiste préféré. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, bon, petites comme d'habitude, des petites broutilles. Man. Bah oui. Merci Zemineo, merci Kawan pour le 33e mois et Olan, merci. T'es en forme ce soir. Ouais, comme ça, ouais. Catherine. Mm-hmm. Vous savez ce que j'ai trouvé sur Amazon la dernière fois? Non, dites-moi. Je vous jure, c'est vrai, c'est un bouchon. Bah, il était Mais oui, pour éviter les fuites anales. Quelque chose pour les périodes. On pourrait discuter de ça, peut-être sur Loïs. Oui, mais pensez-y, Catherine. Ça évitera d'en mettre dans le lit familial. Oui, mais j'en ai pas mis, voyons. Bon, tout de même. Vous avez changé 4 fois les draps. Ce n'est pas un hasard. J'aime bien la propreté et la fraîcheur, c'est tout. Bien sûr. Il y a des couches qui existent. Hein. Anyway, ce n'est pas le sujet, s'il vous plaît. Écoutez, je suis ancien médecin, donc je connais un peu le sujet. Ma femme a mangé un tacos malheureusement un peu périmé. Ça fait 3 jours qu'elle en bat. Ah, ouais. Que dis-je? Ouais, ça fait 3 jours qu'elle en chie. Oui, oui, ça, c'est peu dire. Je pense que c'est la personne qui en chie le plus, ça doit être vous, je pense. Bon. Ouais. Je ne vous cache pas l'odeur et les... auquel écrit on peut faire quelque chose. Mais l'odeur. Oui, ouais, c'est ça le problème. Bien sûr. Oh, on peut. Il y a des sapins pour voiture, on peut en mettre une dizaine peut-être, ça peut aller. Non, non, ça suffit pas. Mélanger au sapin, ça fait une odeur de Javel. Genre noir brillant partout. Avec un petit nacré bleu foncé. Ah, c'est pas faux. Merci, monsieur. Eh ben, de rien. Bon courage à vous. Merci, bon courage. Allez-y, Cathy. Un tout petit peu plus clair. Genre en gris. Que se passe-t-il, Cathy? Non, non, rien, je regardais. Dites-moi, Cathy. Est-ce que.
3690 vous dit quelque chose? Attendez, j'essaye. Mais pourquoi il y a une musique dans le véhicule? Oui, allô? Oui? Ici Bernard Pigeon à l'appareil, vous avez essayé de m'appeler 4 fois. Vous avez appelé 4 fois? 4 fois, oui. Ça fait beaucoup ça, hein? Bah oui. Je sais pas pourquoi je vous ai appelé. Mais vous êtes qui? Bah je sais pas. Bah si, vous savez qui vous êtes. Moi si, moi, mais oui, c'est trop bête, moi c'est Sid. C'est... pardon? Sid, moi. Bledil? Ouais, moi c'est Sid. Comment? Sid. Qui donc? Sid. Ah, bonjour monsieur Sid, comment allez-vous? Ouais, ça va, et vous? Ça va, que faites-vous dans la vie? On n'a pas rappelé des gens. Moi, je suis mécano, et Strayuel, c'est... Bien sûr, vous avez essayé de m'appeler, que vouliez-vous? Mais je crois que... Je sais pas pourquoi vous appelez, je m'en rappelle plus en fait. Mais c'était cette nuit, monsieur Sid. Cette nuit? Ouah, ouais, non, cette nuit, j'ai bu, hein. Et vous voulez me dire quoi? Je sais pas, en vrai, pour vous dire... Oh, monsieur Sid! Je me rappelle plus. Non, oui, quoi? Quel âge avez-vous? Moi, j'ai 20 ans, moi. Monsieur Sid, voulez-vous goûter le fion de ma femme? Bon, ça dépend, à quel âge? Mais peu importe, ben oui, c'est le talent qui fait le goût. Bah, il faut tester. Bien sûr, bon, bah écoutez, je vous fais une demande de $200 et je vous envoie très rapidement l'échantillon. Moi, 400$ carrément, moi je suis trop gentil, hein. Bah, bien sûr, bah je vous envoie 400 alors. 400$ et ça part, hein. Bien sûr, ça partira très vite, vous inquiétez pas. Eh ben, vas-y, on fait ça. Vous l'aurez dans la soirée, on monsieur Sid. Une position, je suis là instant, hein. Bien sûr, je vous envoie la demande et je vous envoie la position. Oh là, mais vous êtes incroyable. Oh, vous savez, nous ne sommes qu'une famille française. Eh, comme on dit... Non, c'est pas dicton pour les Français, je suis désolé, moi c'est trop nul. Mais y a pas de souci, je vous envoie la demande tout de suite. Et envoyez-moi la position. Vas-y, non. Ah, je vous envoie la position, vous me l'envoyez? Bah oui. Non, mais attendez, vous me l'envoyez ou je vous envoie... Je vous envoie la demande et dès que vous avez fait le virement, je vous envoie la position. Vous m'envoyez la position, pardon. Au pire, faites-moi une position, vous. Bon, bah peu importe, je vous envoie la demande avant. À tout de suite. Vas-y, ouais, 400$, parce que moi, je suis gentil, moi. Bah oui. Non, non. Mais il est totalement con, je suis en train de l'escroquer. Mais c'est 400$, pourquoi? Bah pour votre fion. Mais je n'en ai pas sur moi. Je sais. Ah. Oh. Excusez-moi. Ouh. Faites attention. Vous en avez mis un peu sur votre veste. Bah oui. Je vais mettre un peu d'essence. Mm-hmm. Il nous paiera l'essence, ce con. Bien sûr. Nana. Oui, dites-moi, Catherine. Il y a un festival d'ici une heure. Vous voulez qu'on appelle Nestor pour qu'on fasse de petits rendez-vous? Quel rendez-vous? Bah justement, il m'a demandé de se voir ensemble. Bien sûr, bah allons-y. Mm-hmm. Ok, je l'appelle. Ça y est, il m'a payé l'essence. Oh, parfait. J'ai bien reçu les $400. Hello? Oui, ça va très bien avec vous. Et dans quel monde êtes-moi? Vous m'aviez demandé de vous proposer un rendez-vous. Bah, si, bien sûr, là je suis juste en train de faire deux tours un truc que je vous rappelle un peu plus tard, ça va. Ok, parfait. Enfin, merci. Bon, et bien, dès qu'il est présent, on l'appelle. Oh, il y a Joe qui m'a appelé. Oui, bonsoir Joe, comment allez-vous? Ça va très bien, et vous? Oh, bah, parfait. Vous m'aviez appelé. Waouh, il paye le plein, il ah a oui, payé c'est le vrai. Plein. Il n'est toujours pas là? C'est trop, wesh. Oh! Et on peut peut-être se voir alors. Oh bah parfait, bah envoyez-moi une position et on arrive. On peut se rejoindre le pawn shop si vous voulez. Parfait, on arrive. Nana, nous allons rencontrer le père Flores. Qui est-ce? Le père de Joe, vous vous souvenez, les gitons? Oh! Ils se sont remis de ce triste événement? Oui, je crois que ça va un peu mieux. J'ai payé $400 d'essence. Littéralement,
C'est pas fait, il a vraiment payé l'essence. Bah oui. Où allons-nous? Au pawn shop. Mais attends, vous êtes en train de me dire qu'il tient le pawn shop? Mhm. Mais vous l'avez vu la dernière fois que vous avez vendu vos bijoux? Non, il n'y avait pas le père. Le père, c'est le chef de famille. C'est un peu comme vous. Oh putain, le Cid, c'est pas celui qui a réparé notre véhicule? Non, je ne crois pas, pourquoi? Ok, bah parce qu'il est bloqué au Bénise, mais il ne me semble pas avoir vu un Cid au Bénise. Non. Il y a des enchères ce soir, vous voulez qu'on y aille? N'avons-nous la clé? Non. Mais bah pourquoi voulez-vous y aller? Catherine? Il faut demander à Rafi. Il n'est pas là. Putain, elle est où cette caisse de CMOR? Où allez-vous, Catherine? Ah, il y a des gens là-bas. Ils sont cagoulés, venez. Mais oui, il faut arrêter de suivre et toutes les personnes cagoulées que vous croisez, Catherine. Ils font simplement de la moto, oh sorry. Bah oui, bah allons-y. Bah voilà. Mettez votre cagoule. Mais non. Bonsoir. 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 Comment ils vont, monsieur dame? Ça va? Ah, ça va. Très bien, et vous? Bonsoir, monsieur. Bah, nickel, au top. Ah, oui, Joe. Excusez-moi. It's okay. Comment allez-vous? Ça va très bien, très bien. Enchanté. Enchanté, vous êtes? C'est Catherine Pater, c'est la dame qui voulait te rencontrer. Ah, maman, depuis le temps. Bah, Catherine, mon père. Mon père, monsieur Pichon. Oui, mon mari, Bernard Pichon. Oui, bonjour, messieurs. Enchanté, monsieur dame. Comment ça va l'installation en ville? Oh, écoutez, ça va très bien, mais c'est surtout vous. Comment ça va? Mes condoléances pour ce qui s'est passé. Ah, merci, mon chef. C'est gentil, mon copain. C'est gentil. Mais qu'est-ce que tu veux? Vous inquiétez pas, ça. C'est comme ça. Il y a des fous partout, mon frère. Que veux-tu? Avez-vous retrouvé les personnes? Bah non, nous, malheureusement. Personnellement, mais... nous. Non. Mais pardon. On a eu la bonne surprise, la bonne nouvelle de savoir que la personne qui avait fait ça est décédée. Oh, bah écoutez, si ça peut vous soulager dans ces cas-là... Ah, maman, si tu savais. Grand bien vous fasse. Qu'à moitié, ça me soulage, qu'à moitié. Bien, je comprends. C'est pas nous qui l'avons eu. Oui, voilà. Vous auriez préféré... oui. Une personne connue mal faire de nos propres mains. Non, c'était je sais pas du tout. Un surveilleur de champignons de dans champignons, la forêt. Voilà. C'est les park rangers, là. Oh. Il a donc dû peut-être un peu trop abuser sur les champignons. Ouais, je sais pas, mais... Ils étaient mortels, les champignons. En tout cas... C'est horrible. Voilà. Non, c'est pas horrible, c'est bien ça. Ça, c'est une bonne chose, madame, monsieur, dame. Bien Il sûr. A tué deux personnes innocentes qui allaient se marier le jour de leur mariage et la petite dame, elle était enceinte. Attendez, deux, c'est-à-dire... Comment? Il y avait mon cousin dans la voiture et sa femme, ils allaient se marier. Sa femme, elle était enceinte, là, de 8 mois, elle allait accoucher bientôt. Mais votre cousin est décédé aussi? Bah bien sûr, ils étaient dans l'explosion dans la voiture. Non, nous n'étions pas au courant, désolé. Il n'y a pas de mal, donc voyez pourquoi je suis à moitié satisfait qu'il soit mort. Bien sûr, nous comprenons. Si voilà. Quelqu'un venait à toucher à ma petite Cathy, je me mettrais dans de tels états aussi. Je peux comprendre. Ma petite Cathy. Oui. Bon, je vous laisse nous dire. Je vous laisse nous dire. Je vous dis. Mais dites-nous, Cathy. Mais simplement, c'était simplement une petite rencontre. Mais oui, faites histoire pas votre de rencontrer toute la famille Flores. Et bah là, vous en avez qu'une petite partie. Il y en a qui doivent. Attendez, juste. Puis j'aimerais bien savoir où ils sont, parce que. On leur a pas mis quand même 14 km d'avance. Coucou mon berceau, ça va ou quoi, mon frérot? Si? Les fils? Je sais pas. Bon, madame Pichon. Oui. En gros, je suis Edmond Flores. Je suis connu un peu sous le nom du Pater. Okay. Voilà, nous sommes des gens du voyage et des gitans, comme on dit plus communément. Nous habitons sur Sandy Shore, Paleto, pardon. Paleto. On a un petit camp de voyageurs là-bas. Voilà, au nord, avec des petites caravanes et tout, nickel, impeccable. Great. Et puis voilà, ça fait quelques années qu'on est là déjà, gentiment, quoi. On est
on s'installe, on est bien. Mm-hmm. Puis voilà. Et vous avez quelques business en ville ? Ah nous, on bosse beaucoup, bien sûr, madame. Vous savez, on est tout, mm-hmm. dans, tout ce qui est dans la ferraille et tout ça, quoi. En Chine. En Chine, comme on dit. Oui, bon bah c'est... Et vous, que faites-vous ? Nous sommes arrivés il y a très peu de temps maintenant, quelques semaines seulement. Mmh. Et nous sommes arrivés avec notre fils et... Oh, quelques, comment dire ? Bien mon berceau. Quelques amis ? Oui, ce sont plutôt des, comme des fils adoptifs. C'est qui votre fils ? Claude Pichon. Je connais pas. Oui, il n'est pas très connu, je pense. Il est très connu des pêcheurs. Bien sûr. Ah. Mmh. Tous les pêcheurs le connaissent. Ah oui, il est bien connu. Et vous êtes dans quelle branche, vous, monsieur et dame ? Nous travaillons surtout sur de l'import-export. Nous allons sûrement nous implanter dans le business du vin. Et... Mmh. Sûrement ouvrir quelques petites boulangeries. Mmh. D'accord. Ouais, nous sommes originaires de France, même si ça ne s'entend pas à mon accent. Ah, vous aussi ? Personnellement, non, mais depuis que je suis mariée avec Nana, oui. Oh, avec qui ? Nana ? C'est Bernard qui s'appelle. Mais oui. Mon nanar d'amour. Oh, Catherine, vous pouvez dire que vous êtes française, n'ayez pas honte. Oui, on déteste l'anglais. Franco-anglaise. Bah oui, ah, si, je me disais qu'il y avait un petit accent qui sirotait. Mm-hmm. Bah oui. Hein ? D'accord, ok. Donc, madame Pichon est anglaise. Et vous, monsieur Pichon, vous êtes français. Français. Oui, je le dis bien. Oui, purement. Oui, oui. Bah oui. Bon. Ah, vous connaissez bien la France si vous êtes un. Ah, bah, nous, on est français, mon bon chef, on est de la région parisienne, nous. Regarde, ouais, bah, voilà. Il ramène une surprise, Bob. Bon, attendez. Qu'est-ce qu'il ramène, Bob ? L'un de nos enfants. Il a toujours un gamin. Oui, allô ? Il a toujours un petit affibé. Oui, dites-moi, Pierre. Oui, votre fils, qui est le seul qui détient de l'argent, refuse de payer une simple réparation de voiture. Dites-lui qu'il la paye immédiatement. C'est ce que je lui ai dit, mais il refuse. Il a même menacé en disant en se moquant de nous. Comme quoi, si on vous appelait, ça ne changeait rien. Dites-lui qu'il la paye immédiatement. Oui, sinon on fait quoi ? Eh bah vous le torturez. Très bien. C'est bien pris ? C'est bien pris. Allez. Bon. Oui Claude, pourquoi voulez-vous pas payer ? Parce que c'est pas moi qui conduis. Combien coûtent les réparations ? Ah, ils ont pas encore fait réparer. Allez, payez, Claude. C'est pas moi qui conduis. Claude ? Thor qui paye. Écoutez-moi bien, Claude. Vous m'écoutez ? Claude, mettez-moi sur haut-parleur, Claude. Il y a tout le monde qui veut vous entendre. Mettez-moi sur haut-parleur, Claude. Est-ce que vous entendez ? Vous m'entendez ? Je vous entends. Bon. Claude, on va faire quelque chose de simple. Soit vous payez, soit on vous envoie à l'hôpital jusqu'à rejoindre cette somme. Moi aussi, je veux venir au défilé. Maman. Alors, payez, Claude. On verra. Non, on ne verra pas, Claude. Vous n'avez pas envie d'aller à l'hôpital. Je sais pas. Ils vont à Grove Street, ils font une descente. Alors, à très vite, Claude. Ouais. On verra. On verra combien ça coûte. Non, c'est 115$, Claude, s'il vous plaît. Oh, ça va. Bah, oui. Je suis riche. Bah oui. Allez. Bisous. T'es qui, celui-là, encore ? Moi, je vois. Et vous habitez vers où, madame Pichon ? Putain, c'est plus d'essence. Ah, il est où le bébé Pichon, alors ? Ah. Mmh. Oh, dites donc, mais Catherine. Oui ? Vous êtes rapide. On l'a fait hier. Bien, non, bonsoir. Bien sûr que non, voyons, Nana, je ne veux plus avoir d'enfant. Bah oui. C'est le... Non, c'est le petit amphibie, mais en fait, il l'a confié à Catherine parce que Bob, il lui a mis une calotte quand il s'est mis à pleurer. Depuis, il s'est plus. Mon Nana. Il va bien, il est en train de dormir. Ça prend pas derrière, oublie pas. Oh, mais non, mais vous inquiétez pas, je fais les deux. Ah. Bon. Pour être sûr. C'est bien, mais il faut. T'as bah oui. Pour être sûr. Il vient d'où, le garçon ? C'est monsieur et madame Pichon. Exactement. Ils viennent d'où, Solal ? Pichon, c'est un nom français, ça. De France, ça, mon frère. C'est moi, des cousins de Vernou, alors. Nous aussi, on est français, mon cousin. Bah oui, mais c'est ce qu'il me disait. Félicitations. Soyons fiers. Vous aussi. Rends compte, hein, j'aurais pu vivre dans un pays compliqué. Incroyable. Bah oui. Vous devriez rendre ce bébé à sa maman. Si, il va lui rendre, sinon je vais lui casser les couilles. Oui, tiens. Parce que je sais pas pourquoi il lui a pris le baby, j'en peux plus des gens comme lui là. Oui, s'il se réveille là, il aura très faim. Pourquoi tu lui as toujours un bébé, toi, ma couille ? J'ai pas son rame. Non, elle avait besoin, moi je me dis, vas-y, je vais m'en occuper. Je vais m'occuper d'un sien, du coup, je vais m'occuper d'un gosse, non ? Non, sachez que là, s'il se réveille, il va hurler jusqu'à ce qu'il mange. Le miou, je vais te laisser. T'inquiète, on va lui donner du niglo. Vas-y, Bob.
Donne-lui une tétine à tété là. Ouais, ça va lui faire bouffer là. Donne-lui le sein, donne-lui le sein. Donne-lui un téton. Il va lui donner un sneaker, ça bouffer mon frère, tu vas voir. Il a même pas de dents le machin. Je vais le poser à la chicha, regarde-le. Sur mes morts. Donc du coup, monsieur et madame Pichon, voilà, vous êtes dans l'import et export, bientôt dans le vin, vous allez ouvrir une boulangerie. Bien sûr. On va enfin pouvoir manger du bon pain. Oh oui, des belles miches. Avec du boursin. Des belles miches, exactement. T'hésites pas, mon anard, dès que t'ouvres ça qu'il y a de la miche, tu m'appelles. Non, mais y'a pas de soucis, est-ce que vous aimez les bons gros glands? Ah oui. Bien rempli. Ça dépend. Si y a la capuchon vert dessus, oui, je prends. Mais bien sûr. Au premier coup de croc, il y a un petit jet de crème qui sort. C'est incroyable. Bien chargé. Exactement. Ça, c'est ça qu'on aime. C'est. Oui. C'est le stick à lèvres. Une explosion de saveur en pleine bouche. Bien sûr. Bah d'ailleurs, vous goûterez au fion de ma femme. Un fion à l'ancienne. Ah oui. Bah, ça. Félicitations, mon anard. De quoi? Bah oui, mais c'est une spécialité mondiale. C'est un plat, je crois. C'est un petit gâteau. C'est un plat. Bien sûr, vous connaissez pas le gland. Mais oui. Ma mère. Le gland de lait. Tu connais le gland de lait, mon frère? Non, le fion. T'as déjà goûté le plat du gland en pâteur? Et parce que c'est vous, il y aura quelques petites pépites de chocolat cachées gauche et droite. Incroyable. Impeccable. Nickel. Ça sera une spéciale. Spécial voyageur, t'appelleras ça. Le fion du voyageur. Voilà. Il sera bien baveux. Eh, monsieur voilà, Pichon, comment vous avez dit ça? Vous m'avez fait rire. Mais pourquoi? Bah, vous allez goûter le fion de ma femme. Bah, bien sûr, elle fait des fions exceptionnels. Le temps que je réalise que c'est un gâteau. Elle fait des fions exceptionnels. Oh, elle a un fion. Pas ça, tu pas ça devant le gosse. Elle a un fion dingue. On verra ça plus tard, madame Pichon. Y'a rien, c'est des gâteaux, mon cousin. Moi, je veux bien goûter votre fion, madame Pichon. C'est comme vous voulez. Tu vois, je vous en prie. Mais toute la ville veut goûter le fion de ma femme. Ah oui. Oui, bah forcément. Mais oui. Ça doit être succulent. Non, je vous cache pas, bien baveux, bien épais. Impeccable. Bien chargé. Moi, dès que vous ouvrez, madame Pichon, je suis le premier à taper à la rondelle. Bien sûr. Il n'y a pas de souci. Je voyez, tape dedans, moi, direct. Catherine, on aura beaucoup de clients. Mais oui. Ah bah là c'est une promotion. Oui. Il va falloir en faire un bon paquet. Je vais en dégommer du fion chez la Catherine. Non, c'est combien? C'est un fion léché, un deuxième offert, non? C'est pas ça? On pourra voir si on fait des offres. Ah, vous faites partie du. Oui, vous léchez avant de croquer, je comprends. Ah, bah toujours. Mais ah, toujours, il faut toujours lécher. Il faut que ça rassasie mon bien sûr, c'est pour faut le glaçage. T'as dit quoi? Oui. Bien sûr. Ça liche à mort. je t'aime déjà, mon anard d'amour. Bien je sûr. Dis-moi, est-ce que vous allez au. Il me semble qu'il y a un festival organisé ce soir. Ouais, j'ai entendu parler à 23h. Ah, j'ai vu aussi. Festival de quoi? C'est où? Festival de. J'ai le flyer, attends. La musique. Ouais. Non, c'est à Vinwood, je crois. Il paraît qu'il y aura des groupes. On verra, ouais. Mais au plaisir de se voir là-bas, français. En tout cas. Ok, bah, carrément. Amphithéâtre de Vinwood. Heureux oui, de vous avoir rencontré. Ouais, oui, plaisir partagé, monsieur. Et puis, bah écoutez, le jour où vous êtes plus dans l'arrière-boutique que dans la boulangerie, on discutera. Hein. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Bon. Chaque chose en son temps, mais les choses arrivent vite, vous voyez ce que je veux dire. Bah écoutez. Bah oui. Pourquoi pas? Parfait. C'est tout le bonheur qu'on nous souhaite. Exactement. Bah écoutez, je vous souhaite un excellent retour, monsieur madame Pichon, oui, puis on se tient au jus d'abricot. Bien sûr. Hein à très bientôt. Allez, au top. À bientôt. Ça marche. À bientôt. Ouais. Ciao. Au revoir. Au revoir. Bon retour. Confiant à vous. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là-bas, le clochard, là? Dis qu'à bleu, là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Merci à Pi pour le Nana? Septième. Oui, dites-moi. Avez-vous une mélo? Oh, oui. Oh. Mais pourquoi allez-vous là-bas? Je mais depuis quand avez-vous les clés? Bah depuis toujours. Mais oui. Bah oui, on est parti les faire au concessionnaire. Dites-moi. Vous avez eu Mélo? Non, et vous? Vous... Ah, bah je vais l'appeler. Vous savez, on a une petite mission de Rafi. Et vous voulez le faire quand? Bah, dès qu'ils sont frais. Ils nous ont dit qu'ils savaient comment faire passer de Cayo Perico à ici. Bien sûr. Mettez-le au parleur. Oui, bonsoir, Mélo. Comment vas-tu? Très bien, et vous? Ça va parfait. J'avais une petite question. Oui. Vous vous souvenez, on s'est parlé avec votre gang. Oui. Vous vous souvenez de la mission dont on vous a parlé? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Bah oui, c'est sûr possible, quand vous voulez. Enfin, là, actuellement, on est un peu occupé, mais quand ça vous arrangerait?
Dès que vous êtes disponible, vous nous rappelez et puis on prévoit ça. D'accord, vas-y, je fais ça. Okay, je rappelle. Ok, là je finis ce que je fais et je vous rappelle quand j'ai fini. Ok, no problem. A plus tard. Vas-y, bisous. Mais je crois que la fille ne me répond pas. Oh, mettez-moi sur un petit restaurant qu'on aille se déshydrater. Sure, attends. S'hydrater plutôt. Oui. Mais on commencera par se déshydrater avant. Pour apprécier sure. L'hydratation. Bah oui, mais... Bah oui. Ce qu'on est déjà en train de faire finalement. Bien sûr. Allons tester au Burger Shack. N'avez-vous passé un bon week-end, Catherine? Plutôt, je me suis reposée, j'ai fait de la lecture et puis j'ai... Chier partout. Voilà. Bah oui. Et vous? Eh ben écoutez, je me suis reposé, j'ai fait un peu de lecture et je vous ai écouté vous chier partout. Un week-end parfait finalement. Bien sûr, un week-end en couple. D'ailleurs, ma petite Cathy. Oui. Excusez-moi, oui. J'entendais les sirènes. Avez-vous fait un restaurant nocturne? Non. Bien. Non, je n'ai pas fait de restaurant nocturne. Oui, vous êtes reposé, je comprends. Oui, tout à fait. En même temps, cette diarrhée vous suit. Ah oui, malheureusement. 6 jours que vous la traînez. Oui, je ne sais pas ce que j'ai mangé. Ça doit être des crustacés, peut-être. Bien sûr. Quel contrôle. Oui. Attendez, je vais appeler. Oh. Ah ben non. Dites-moi, Cathy. Je voulais appeler... Oh, hello? Bonsoir, vous allez bien? Oui, parfait. J'ai une petite question. Vous savez, la batte de baseball, vous l'avez toujours pas? Comment? Oh! Oui, bien sûr. Vous me faites croquer là avec conversation. J'arrive pas. Mais oui. Si. Ah oui, le festival, ok. Ok, parfait. Bah, on se croise là-bas, là. Vous pouvez ramener la batte? Parfait. Merci beaucoup. À plus tard. Au revoir. Non, mon téléphone était bloqué. C'était Jaden. Elle va travailler au festival. Oh, que va-t-elle faire? Elle va faire le service, mais du coup, elle va nous ramener quelque chose. Bonsoir, jeune gueux, est-ce qu'il y a quelqu'un? Bonsoir. Ouais, j'arrive, je finis juste, j'arrive. Oh, il y avait vraiment quelqu'un. Oui. Bonsoir, jeune gueux. Mais vous ne savez pas ce qu'est un gueux? Non, justement, dites-moi. Est-ce que vous savez ce qu'est un bœuf? Un bœuf? Du bœuf, hein. Un vœu. Oui, c'est quelque chose qu'on souhaite. Hein. Bah voilà, bah un gueux c'est pareil, mais avec un G. Dites-moi, vous voulez quoi, mesdames, messieurs? Oh, mettez-moi votre plus beau menu. Non, x2. Ouais, x2, 2 menus du coup. Hein. Oh là là. Alors, vous êtes tout pile de la chance, il me reste que de limo. Hein. Oh, mais dites donc, c'est... On est en pleine préparation pour le festival. Hein. Vous êtes... Oh, vous allez au festival? Oui, justement, là, je suis tout seul à tout préparer. Oh, mon pauvre, je vous vois à chaque fois. Est-ce qu'il y a des petites offres au festival? Honnêtement, je sais pas, j'en ai pas la moindre idée. Là, je suis en préparation, ça fait une demi-heure, tout le monde est pas là. Sorry, pouvez-vous m'indiquer où sont les toilettes? Juste derrière vous, regardez, par là-bas. Ok, parfait. Oh, bonsoir. Bonsoir, Catherine. Alors, la gastro? Oui, bah j'arrive, je vois. Justement, elle va aux toilettes. Attendez, il faut surveiller. S'il vous plaît, monsieur. Voilà. N'hésitez pas à crier. Sure. Claude, vous avez payé. Ah, oui. Et voilà pour juste vous, après, monsieur. La défense de la voiture. Oh. C'est embêtant. C'est faux, ça. C'est vrai, j'ai il été là. Il a mis un coup de pied volontaire. Merci, pour monsieur. La casser parce qu'il merci était fâché beaucoup, d'avoir... Ça m'a coûté quand même cher. Hein. Plus jamais. Hein. Mais qui est ce monsieur? Qui ça? Là, moi, c'est Philippe. C'est Phil, on lui a fait un relooking. Non, merde. Bah oui. Il est beau comme ça, non? Je préférais avant. Et merde. Tu vois, je vous l'avais dit, les gars. Là, on voit ses rondeurs, quoi. Bon, on va y retourner. Elle va me coller quoi, des poils de cul sur le... Pour la barbe, il y a 7 cheveux. On retire le gel. Un menu, s'il vous plaît. Ah oui, pour la barbe, bon. Mais pour les cheveux, c'est bon. Je sais pas combien, de menus. Un menu, s'il vous plaît. Un menu, ouais. Oh, Claude, payé pour tout le monde, voyons. Bah oui. Bien sûr que non. Ah, merci Claude, franchement, c'est... Merci Claude, gentil. Vous pouvez garder l'argent.
Donc 5 menus pour le monsieur devant vous. Non, non, calmez-vous. Oui. Phil ? Oui. Je ne savais pas. Bonjour. Ça se voyait pas que vous aviez bien mangé à l'école. Ouais. Bah justement, j'avais une barbe. Bah oui. Je vais prendre... De quoi ? Non, attention pour la facture. Ah oui. Vous pouvez vous avancer, monsieur ? C'est vrai, ça se monte. Allez-y, allez-y, allez-y. Non, mais... Cathy ! Non, attends. Cathy ! Tout va bien avec Catherine ? Non, je ne sais pas. Catherine ? Je crois qu'elle s'évanouit dans l'odeur Catherine. De sa propre merde. J'entre. Non, mais non, non, ne rentrez pas, voyons. Elle était à droite, mais ne rentrez pas. Catherine ? Soir. Bonsoir. Bonsoir. Ça. Merci Coquillette Sauvage pour le 16e mois, merci The Darkness. C'est tout bon. Super, voici. Hop. Et le lait fraise. Et merci beaucoup. Pas de soucis. Quelle est cette odeur ? Pouvez-vous me donner 2 menus s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Si je vous dis un compliment, est-ce que vous pouvez me faire une petite promotion ? Ça sent fort. Non. Ouais. Dommage, vous êtes laid comme un pou. Je vous renvoie le compliment. Merci. J'ai fait... Oh non mais... C'est pour rigoler. Bien entraîné. Et voici. C'est fort agréable. Où ça? Ils ont tous les mêmes vestes. Oh bah j'avoue. C'est pas la même. Notre frère perdu. C'est pas vraiment pas la même veste. Hein. Ça a rien à voir. Hein. J'ai un béret. Bon, attendez. C'est ouais, Renard. Oh, ils ont les mêmes choses aussi. En plus, il est. Attendez. Oui. Si, vas-y, critique-moi. Ouais. Vous aurez pas des origines asiatiques. Attendez, je reviens. Je vais me chercher un verre. Il est juste vieux. Après, on peut dire que l'Europe et la France sont la péninsule de l'Asie. Donc, sympa. Bah oui, sympa. Et vous venez d'où ? Nous de la tente. Vous venez d'où ? Vous venez d'où en France ? Neuilly-sur-Seine. Ah ouais, moi je suis à côté, moi je suis à Brazzaville. Ah ouais, c'est vraiment pas loin. C'est à côté. C'est où ? C'est Dakar ? Un peu plus haut. Comment ça, Dakar ? Brazzaville, c'est où ? C'est le Congo. Le Congo. Congo, Congo. Ah, oh, bah on a regardé les infos du. De... Non, ouais. C'était le Gabon. Oh merde. Ah, ah c'est mes frères, les abonnés. Moi c'est Quenza. Quenza. Enchanté Quenza. Ninji. Mais vous pouvez m'appeler Conséquence aussi. Conséquence, bah, c'est bon, deuxième prénom. Provocation. Oui. Les gars, comment ça, toujours pas d'argent ? Vous êtes des malades ou quoi ? Les gars, on a 20 000 balles en liquide. On a 3 voitures maintenant. On a un Beretta. Merci mon Samir pour le 40e mois. Vous êtes à l'ouest les gars, vous avez loupé beaucoup de choses hein. Après il y a Philippe Lambert. Hello. C'est... Oui. C'est tous français là. Oui. Après vous avez William Lambert. Il y a des cuistots chez vous. Les deux à ma gauche sont de futurs boulangers. Incroyable. Mmh. Il y a pas un boucher dans l'équipe. Ouais, ils font sûrement boucher aussi. Ah oui. Après vous avez Claude Pichon. Oui, moi j'ai tout loupé. Bah, il y a l'air diff. Ah putain, ah la vache, ça m'a piqué sous le pied. Bon, elle branle quoi la Catherine là, putain. Un peu comme un père pour nous. C'est pas un frère. Ouais, bah on l'a cru comprendre. Dans les toilettes des hommes où je m'en vais pour pisser, je la vois assise, mais je me suis barré. Ouais, bah l'odeur ça sentait, je vois. Souvent debout, c'est pour ça qu'elle va dans les toilettes pour hommes. Ah non, elle était bien assise. Hein. Alors, Catherine. Oui, Nana. Dites-moi. Nous avons rendez-vous avec ma fille. Enfin, pas nous, c'est mais... On peut lui envoyer des gens prévus. Catherine bon, oui on va vous prendre... Vous avez bien mis du Febreze dans les toilettes. Bon, attendez, Pierre. Mm-hmm. On prend quel frère avec nous ? Mais nous, on n'est pas obligé d'y aller. Mais on va escorter de loin. On a les visas, hein. Nous allons rentrer. Moi, j'ai pas le visa, donc... Mais... Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'y aller. Mais pourquoi ? Il faudrait qu'on les envoie, et lorsqu'ils reviennent, nous, on y va. Non, on va où ? À Caio-Perico. Bon, bah, dans ces cas-là, mettons le plan exécution. Mais si on vous rappelle dès que c'est bon, est-ce que Claude a bien payé ?
Oui, il a bien payé, même s'il a abîmé la voiture après. Oui, ben torturez-le. Mais il a pas payé les bouffes. Oh, je n'ai pas vu que là où tu allais. Oui, mais c'est un rat. Oui, mais c'est pas grave. Bonsoir. Bonsoir, les Lambert. Vous allez bonsoir. Bien. Oui, vous. Ça va et vous? Ça va très bien, ça va très bien. Oh, très beau costume. Feeling. Merci. Je ne l'avais pas. Oh, comment on l'avez-vous reconnu? Bah, c'est son visage, mais. C'est vrai que vous êtes mieux coiffé. Ça me va mieux? Oui, ça va beaucoup mieux. Vous faites plus jeune, Philippe. Ah, merci. Merci, le Sneakies. Je te donne 58 ans, je te donne 56. Comment ça se fait que derrière on dirait que vous avez un autre frère, les bouquins? Oh, vous faites chier avec ça, non, c'est pas notre frère. Il s'appelle Jack. Mais c'est fou. Oh! Pierre Jean-Jacques! Regardez, exactement, incroyable. Et il aurait fallu que l'un d'entre vous s'appelle Paul. Ça aurait été incroyable. Monsieur Jacques. Ça va, vous allez bien, madame? Oui, ça va très bien, mais vous êtes un bourguignon? Non, non. Est-ce que vous êtes de sa famille? Ah, lui et lui? Non plus. Ok. Par contre, là-bas, vous avez Constance là-bas. Conséquence, ok, enchanté. Conséquence, ça va, madame, vous allez bien? Oui, oui, ça va très bien. Ah, vous m'avez baisé les chiottes du Burger Shot. Vous avez tout fêté. Oh, tant que c'était que les chiottes, monsieur. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'elle a une fébreuse? Elle m'a détruit les chiottes, hein. Tant qu'elle vous a détruit les chiottes. C'est bien, c'est vrai. Je reviens. Tant que c'est que les chiottes, je lève la main vers le ciel et je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci. Ah oui, il faut. Des fois, ça pardonne pas quand Catherine s'y met. Bon, allons-y, Catherine. Et encore, oui, vous connaissez pas mon cousin. Hein. Monsieur Jack. Votre copain, votre cousin? Mon cousin, ça vous dirait qu'on... lui, c'est un casseur de chiottes. Bon, bien sûr. Doublure officielle. Y a pas de soucis. Bien sûr. Bon, allons-y, Catherine. Au revoir, messieurs. Je pense qu'il y aura moyen de rigoler. Il m'a fait rire. Merci, Daracor. Merci, mon frérot, pour le prime. Bienvenue à toi. Merci, artiste, pour... Nana? Oui? Est-ce que je demande à Melo s'ils sont disponibles? Bah oui, il faut que ça se fasse maintenant, bordel de merde. Ok. Sacre bleu. Nom de Dieu. J'ai juré. J'aime beaucoup vos expressions. Oui, Melo. Tout va bien? Oui. Ça va très bien, oui. Et vous? Oui, parfait. Non, y a plus rien. Est-ce que vous êtes disponible? Je kiffe la voix qui est faite, Melo. Je sais pas pourquoi. Ah, comment? Êtes-vous disponible? Là, non, actuellement, non, je suis non, pas disponible, faut... je suis en train de vendre. Non, mais vous allez faire autre chose. Oui. Quand? Maintenant. Maintenant. Pourquoi faire? Oui, allô? Ouais, ah, Bernard, vous savez, la mission dont on vous a parlé. Ça va très bien, et vous? Ah oui mais comment dire? Non, on a besoin vraiment de faire beaucoup de thunes. Je finis ma voiture. Vous allez faire beaucoup de thunes. Ouais, je sais, mais comment dire? Là, je finis ça, parce que c'est assez urgent, et après, je vous rappelle, genre, là... L'envoi de cocaïne. Non, on avait trop fini, il me reste 10 pochons. Ok, parfait, bah, faites vite, s'il vous plaît. L'envoi de cocaïne. Ouais, je vous rappelle. De caillots, plutôt. Oui, okay. De caillots, bien sûr. Excusez-moi, il y a double conversation en même temps, c'est terrible la suite. C'est ok, j'ai raccroché. Donc, vous voulez vous concentrer sur le camion ce soir? Vous voulez pas venir à la vente aux enchères? On va se concentrer. Oh. Vous nous conseillez de venir? Ben, si vous usez la clé, vous savez, la clé, elle est valable qu'une fois. Vous l'ouvrez la porte, après, vous la perdez votre clé. Oui, ben, je comprends. Vous avez bien. Les fonds. Les fonds, venez. Si vous n'avez pas les fonds, ben. Ah, c'est Catherine qui a la clé? Ils ont pas la clé sur eux. Tu ça se passe comment? Bah oui. On leur a pas donné encore. C'est pas grave, ça sera la semaine prochaine. D'accord. Concentrez-vous sur le camion, d'accord? On fait ça. À très bientôt. Perfecto. Bon, eh bien parfait, on peut se concentrer. Bon, que se passe-t-il? Elle me rappelle d'ici quelques minutes. Elle finit quelque chose et elle me rappelle. Bien sûr. Je sens que ça va partir en couille. Mais bien sûr que non. Il faut simplement qu'on soit assez éloignés. Pour ne pas élever les soupçons. Bien sûr. Mais dans soupçons, il y a soupe. S'ils se font choper, oui, il y a son surtout. Bien sûr. S'ils se font choper, on doit être le plus loin possible. C'est pour ça que cette couverture du festival, c'est une bonne idée. J'ai peur. Pourquoi avez-vous peur? Mais voilà. On ne sait même... combien on va se faire pour les 150 pochons? On n'a aucune idée. Il faudrait peut-être poser les bonnes questions. Bah oui, il faut demander à la fille. Mais demandez. Je lui demande. Oh, ma conduite est parfaite. Oui, ma fille, sorry de vous déranger. Oui, j'aurais besoin de savoir quelque chose. Dis-moi, tu peux tout Mais me demander à moi. Mais pourquoi vous venez là, nana?
Quoi? Non, 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 mais... Avancez, avancez. Restez concentrés, oui. Catherine. Du coup, sorry, je voulais savoir, pour cette petite mission là, du camion, vous oui. savez à peu près une sorte de fourchette de prix? De prix que vous allez être rentable dessus? Oui, tout à fait. Oui. Ok, je vous fais le calcul et je vous rappelle, d'accord? Ok, parfait. Parce que tu te doutes bien qu'il va falloir payer Mellow. Bah bien sûr. Bah oui. On leur part. On leur donnera combien? 1%, 2%? Oh, 3-4% peut-être. Oh, vous êtes si généreuse. Bah bien sûr. Si on leur donne plus de 5%, il nous restera plus rien. Pourquoi? Bah parce que c'est beaucoup. Mais non, vous inquiétez pas, on va pas leur donner beaucoup. On va leur donner assez pour le risque. Oh, non, vous inquiétez pas, Katou. Vous pouvez Katou. Lâcher ma cuisse. De plus, ce n'est pas ma cuisse, Katou. Ah, ok, sorry. Dites-moi. Oui. Ma petite Catherine. Mm-hmm. Avons-nous le numéro du capitaine? Oui, bien sûr. Donnez-moi. 61-83. Pourquoi donc? Pour essayer de l'arnaquer. Ah, ok. Bonne idée. Oh, fils de pute! Hello? Simple, au niveau de la revente dans la rue, vous êtes en bénéfice de 30 000 $ à peu près. Si vous la revendez. Okay. Allô? Si vous la revendez à d'autres personnes, ben vous faites 150 fois 170. Allô? Ok, parfait. Donc, on prévoit de les faire revendre. Oui. Je vois pas les revendre de la coque quand même, voilà. Catherine. Quand même. Oui, quand même. Donc, okay, vous parfait. Faites le calcul 170 x 150. Ok. Alright. Ouais, ça va, ça, c'est bien, non? Oui, c'est plutôt pas mal, oui, en effet. Ok, parfait. Ben écoute, on se tient au courant. Ok, tu me tiens au okay, courant. Ok, parfait, je vous dis oui. Vas-y. Pas de soucis. Allez. Merci, Lycobos, pour le quatrième mois. Merci, Croblanc, pour Oscar. Ok, nana. Merci, Diallo. Dites-moi. On va se faire 25 000 $ à peu près. Oui, mais il faut les revendre. Bah oui, mais ça ce n'est pas nous qui allons le faire, c'est eux. Qui eux? Bah, l'équipe de Mellow. Mais ils sont au courant? Bah non, pour l'instant non. Qu'est-ce qui vous dit qu'ils vont le revendre? Mais non, mais on va les récupérer et après on leur fera une autre mission pour les revendre. Et donc 25 000 et vous comptez leur donner combien? Mm-hmm. Ah, on peut dire que sur une vente, ils vont faire à peu près 170 $ par pochon. On peut dire que nous prenons 100 $ et eux, ils prennent 70. C'était là, Catherine. Oui, mais la revente est assez dangereuse. Vous voulez quoi? On prend un peu plus, 120? Ça fait très peu pour eux. 170 le pochon, c'est ça? Mm-hmm. À peu près. Il faudrait 25 000, on se fait. Mm-hmm. Si on en vend 150, ça fait 25 000, oui. Et si on les revend 70 $? si on les vend 170 $ de pochon, ça fait 25 500 dans nos poches. Mais écoutez, je pense qu'il faudrait qu'on touche au moins 15 000 pour tout ça. Oui, bien sûr. C'est ce que je disais, c'est 100 $ pour nous. Bien sûr. Ok. Appelez Mélo. Est-ce que vous voulez qu'on aille près de Caillot pour les attendre? Non, pour l'instant non. Bien sûr. Il faut vraiment se tenir très loin de cette transaction. Nous sommes ceux qui tirent les ficelles pour l'inverse. Oui, Mello. Oui, allô, vous êtes là? Oui, je suis là, mais justement, je viens d'en faire part à mon gradé et il est en train de réfléchir parce qu'on avait un programme, en fait, c'est pour ça. Ah, ok. C'est simplement pour vous expliquer que c'est pour aller chercher une grosse cargaison. Ouais, expliquez-moi, ça se passe comment? Comme ça, je transmets. Vous avez simplement à... Comme vous nous avez dit, vous saviez comment... Oui, bien sûr, transiter y a pas de la drogue entre Caillou Perico et ici. Mais on s'occupe... Dites-lui qu'on s'occupe du reste. Et on s'occupe du reste. Vous récupérez simplement les pochons pour nous et on s'occupe du reste, ok? Ok, du coup, c'est de... De Caillou à LS. Oui, tout à fait. Il faut aller avec un camion de LS à Caillou et vous revenez avec ce camion rempli. Oui, ça marche, c'est... Vous avez la position de où c'est ou pas? Quand vous êtes à Caillou, vous me dites. Carré, je vous rappelle, Catherine. Parfait. Ok? Merci beaucoup. Vous préparez ça. Oui. Parfait, merci beaucoup, Mélo.
Voilà, parfait. Allons au festival. Bien sûr. Mettez-le. Bonjour la carte. Sur le GPS. Bon, écoutez. On récupérera le camion dès qu'ils sont ici. Oui, bien sûr. On le stockera au pire à la villa. Mais écoutez, si on fait en sorte qu'il ne soit pas suivi, il n'y a aucun risque. Soit à la villa, soit au QG qu'on a trouvé la dernière fois. On le stockera à la villa. Ok. Dans les coffres-forts. Je ne suis pas sûr que ça rentrera. On en a plusieurs. Oh, oh mon dieu. Mais que se passe-t-il? Mais dites-moi. Mais la voiture, vous n'avez pas vu. Mais c'est parce que j'ai lâché un petit rot. Non, oui, mais ce rot a retenti dans mes genoux. Mais attendez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. Vous avez cogné la voiture. Mais non, il n'y a plus de contact. Si, je vous assure. Non, je vous assure que non. Bah, on regardera le pare-choc. Bah, Cathy. Votre vache s'appelle Bourguignon. Oui. Oh, c'est assez cocasse. Elle a des belles pieds. Oui, un peu. C'est cocasse. Elle a des belles mamelles. Oui, je la traite beaucoup, c'est pour ça. Ah, ok. Elle a beaucoup de lait. Bah oui. Ah, mais c'est les pichons. Bonsoir, oui, vous allez bien. Oui, ça va et vous, comment Bourguignon, allez-vous? Bourguignon, viens ici. Ça va très bien, oui, ça va très bien, et vous? Génial, génial. Bah, très stressé là, yep, de cette organisation, j'en peux plus. Ah, mais c'est déjà très impressionnant. Allez, broute un peu l'air. Ah, Benjamin. Pardonnez-moi, je dois répondre. Oh, ah, qu'est-ce que vous êtes beau. Oui, monsieur Tietje, vous allez bien? Non, mais c'est. On vous a vu, vous. Bonsoir. Oui, 23h. Bonsoir, d'ailleurs, Nana. Ça va? Oui, ça va et vous? Parlant de Burkishard, est-ce que vous avez mon menu? Je suis prêt à faire la fiesta locale. Bonsoir, monsieur. Oui, je vais faire un discours surtout. Oh, c'est le risque. Super. Vous allez bien? Oh, c'est lui. Bien sûr. Excusez-moi, vous êtes une princesse? Bah en fait, je suis mariée au prince... au prince Hubert de la cour, venez, de Monaco. Donc forcément, okay, par alliance de mariage. De... Moi j'ai une question. Pourquoi tout le monde me dit du mal de vous, là?
On est ici là. Mais soyez fiers, j'ai mis une lucarne. Mais c'est pas vous, c'était moi, bordel. Mais bien sûr que non, c'était moi. Moi, arrêtez. Vous connaissez Beckham. Ça joue. Aïe. Allez-y, vite, courez. Non. C'est pas du jeu. Elle prend trop à cœur, là. Vous prenez trop à cœur, ce jeu. Pourquoi? Attends. Oh, merde. Oh, pas mal. Bah oui. Oh, j'en ai. Oh putain, c'est quoi ces musiques des enfers? Bon, allons voir le DJ. Oh. Attention, madame, vous allez mourir. Désolé. Excusez-moi, qui est le DJ? Oula, il est. C'est Super Ange. Ange ou démon? C'est la femme avec ses... Ouais, zen. C'est la blonde. Okay. C'est la belle blonde. Bon, belle, tout est relatif, monsieur. Alors, ça fait quoi, c'est l'enceinte? C'est pas grave, elle est quand même belle. T'es pas au courant du potin. De quoi? Dis donc. Elle a couché avec Miller, il y a 3 jours. Ah, mais ça, ils sont ensemble, non? Elle a trompé Benjamin. De toute façon, mais elle et Miller, elles sont ensemble depuis un moment. Vous parlez de Miller, le juge suprême? Oui. Oui, qu'il y a un bordel de merde. En fait, oui, elle est là-bas. C'est un cadeau empoisonné. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Keïa, elle était malheureuse et tout un soir. Elle te rappelle? Keïa, te rappelle? Elle était là. Attendez, je me... malheureuse, elle était pas bien. Venez voir, Cathy. Non, elle a pris de la coke. On a gagné un ticket à volonté pour la nourriture. Non, vous déconnez. Bah si. On va se remplir les poches. Bah oui. Non, c'est il pas faut la... trouver quelqu'un avec des airs noirs. C'est pas l'avocate qui vous a éclaté la gueule. Ah si, c'était. Bonsoir, Gabriella. Vous allez bien? Oui, ça va mieux. Pouvez-vous appeler la dame qui s'occupe de la musique là-bas? Mon dieu, madame Trou de Balle. Ah oui, bonsoir, monsieur. Ça va, vous allez bien? Je suis madame Pichon, mais oui. Bah, ah oui, pardon, Jayden. Madame Pichon, vous allez bien? Oh, Jayden, bonsoir. Comment allez-vous, Jayden? Ça va et vous? Ça va très bien. Excusez-moi, vous savez où je peux trouver une femme avec des ailes noires? Avec quoi? Oui, elle est là-bas. Avec des ailes elle noires. Elle est derrière, regardez. Elle est là-bas. Où ça? Là, juste là, elle est bien. Ah, sorry, miss. Tiens, Jayden. Nous avons gagné un ticket à volonté pour la nourriture. Bonsoir, madame. Le carton, c'est lourd. Nous venons de la part de Imora. C'est juste là-bas. Au niveau venez. Vous pouvez passer la barrière. Madame, okay, nous avons appris que vous étiez enceinte de Monsieur Miller. De Monsieur Miller, pas du tout. Excusez-moi. Non. Oh, bah c'est le potin qui est en train de circuler actuellement. Ah, ok. Super. Vous n'êtes pas enceinte? Si, je suis enceinte, mais pas de Miller. Oh, de Benjamin? De Benjamin, oui. Oh, mais alors pourquoi ils disent que c'est Monsieur Miller? Ah, je sais pas. Oh, mais c'est terrible. Bah, en tout cas, félicitations. Merci beaucoup.
de riz. Ah, monsieur, pourquoi vous partez, monsieur? Attends, mais t'es pas vers l'entrée? Venez, je suis parti. Ah, venez par là, madame. Au revoir. Bah, vous êtes fort, hein? Vous êtes fort, ça part d'argent. On là, va échanger un ticket de nourriture à volonté, on revient. Oh là 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 là. Elle pas un ticket 50 000 $ contre un ticket? On ramènera des restes à la maison. Bien sûr, on va se remplir les poches, on ramènera tout. Bien sûr. N'oubliez pas que vous pouvez faire un petit football là-bas. Oh, c'est vrai. Oh, bah oui. Poussez-vous. Claude, montrez-nous vos talents. Non. On joue au soccer. C'est un basketball. Je suis effrayé. Peut-être aussi passer à bien sûr. Plateau et puis proposer. Bah, elle est où? D'accord, parfait. Oh putain, quel enfer. Mais là, c'est le quartier général, on va dire, ok? Oui, parfait. Je prends la télécom pour mettre de la musique. Ouais, soit je me mets là. Capti! Oui, dès qu'ils arrivent, ok, Perico, je vous dis, ok? Parfait. À plus tard. Notre plan se déroule à la merveille, Nana. Dites-moi. Melo et ses amis ont préparé la mule, ils démarrent du Chick-fil-A et ils arriveront à Cayo Perico d'ici quelques minutes. Très bien. Dès qu'ils sont à Los Santos, on devra y aller. Oui, je leur ai dit d'abord de m'appeler dès qu'ils sont à Cayo Perico. Bien sûr, bien sûr. Ce ticket, il nous permet d'avoir vraiment à volonté? Oui, de la nourriture à volonté. Selon Imora, il faut lui demander. Il faut demander à qui? À la dame aux ailes noires. Oh, allons-y. Parfait. Non. Bonsoir, madame Moselle Noire. Vous entendrez pas. Oh, excusez-moi, je vous entendais pas. Bah, c'est bon, vous pouvez y aller. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, allez-y, parlez. Non, c'est bon, je vous laisse. Oui, non, oh non, à vous d'abord. Non, c'est bon, je vous laisse. Allez-y, monsieur Pichot. Merci. Vous... c'était pour le ticket. Bonsoir. Quel ticket? Bonsoir. Le ticket. Nous avons gagné un ticket de nourriture à volonté pour le festival. Qui c'est que vous a donné ça? Enfin. Monsieur Imura. Il vous a donné un ticket? Non, il m'a dit de venir vous voir, vous, madame. Ah bon? Il fait pas partie de l'organisation du festival, donc juste, les lois gagnées sont annoncées en temps voulu. Moi j'ai des lois à faire gagner. C'est un agent de sécurité, monsieur Moura, c'est tout. Ah oui, mais du coup, il nous a promis un ticket. Oui, bah. Il est un peu fou, en ce moment. Ouais. Faites-le payer. Ouais, faites-le payer. C'est lui, portez plainte. Voilà. On va devoir le tuer. Très bien. Merci beaucoup, gars. Oui. Tuez-le, c'est très bien. C'est très bien, ça me va, moi. Ça, il disparaît, monsieur. Non. Ah non, Catherine. Il avait sorti un œuf unimètre devant nous. Je ne sais plus. Eh ben, on va l'embarquer. Ah. Bonjour, messieurs, dames, excusez-moi, je vous offense quelques secondes. Je me permets de me présenter à vous. Je suis Victorine de la Cour et je suis très enchantée de rencontrer des personnes de haut standing. Comment allez-vous, madame? Enchantée. Ah bah écoutez, moi je vais très très bien, voilà. Excusez-moi, je reviens. Bien oui, sûr. Pas de soucis. Désolé, ma femme a une diarrhée chronique très aiguë. Oh la pauvre, ça doit être gênant. Bah oui, c'est très gênant, elle a très souvent la merde au cul, comme on dit. Ah oui, c'est très problématique, surtout pour une lady, vraiment la pauvre lady. Bah oui, d'où venez-vous comme ça? Ah bah écoutez, là, très les gars, c'est Kirby. Je viens de Monaco. Monaco? Oui, Monaco, c'est une principauté en Europe. Et vous? Bien sûr. Je viens de... France. Ah bon? Bah alors vous n'êtes pas très loin de Monaco. Vous avez déjà dû aller là-bas passer des temps sur un yacht. Bon, j'ai du caviar. Bien sûr. Ah bah oui. Et que vous faites-vous? Vous avez combien de yachts? Oh, écoutez, je n'ai plus de yachts. Les yachts, c'est pour les pauvres. Ah bon? Vous avez passé à quoi maintenant? Oh, bah écoutez, jet privé, madame. Ah bah oui, mais ça c'est quand on est dans le ciel, bien évidemment, mais sur les beaux ports, etc. Oh, ça sert à quoi d'aller sur la mer si on peut voler, madame? Oui, c'est vrai, mais comme ça, c'est un autre point de vue, en effet. Bien sûr. En effet. Dites-moi, à méditer. Vous faisiez quoi à Monaco? Ah bah écoutez, moi, rien du tout, je profitais de l'argent familial, tout simplement, voilà. Vous avez beaucoup d'argent? Ah bah écoutez, on avait, après quelques différends familiales, il s'avère que c'est pour cela que j'ai dû revenir à Los Santos, c'est pour régler des petits soucis d'argent. Bien sûr, voulez-vous goûter au fion de ma femme? Comment ça? Elle fait un fion délicieux à l'ancienne, c'est une spécialité vendéenne. Ah bon, c'est à base de quoi? Un fion, c'est une sorte de, comment dire, c'est une pâte mi-croustillante, mi-dorée au four...
avec bien baveux, avec quelques, parfois, quand il y a des petites surprises, des pépites de chocolat. Ah, d'accord, mais elle le cuisine elle-même. Bien sûr, elle fait un fion exceptionnel. Bah écoutez, vous pourriez m'inviter éventuellement chez vous pour que je puisse regarder à quoi ressemble ce plat. Non, c'est un dessert. Ah, c'est un dessert. Bah oui, c'est une pâtisserie, voyons, française. Ah, mais... c'est une pâtisserie française, je n'ai jamais entendu parler de ça à Monaco. Non, mais attendez, vous êtes sûre que vous êtes française, madame? Ah bah non, je suis pas française, je suis américaine et j'ai vécu 5 ans à Monaco. Ah moi, je sais pas, c'est bien sûr. Oui. Bah que dites-vous alors d'un bon gros gland? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah la pâtisserie. Mais non, c'est la pâtisserie à base de crème pâtissière. Ah non, je ne connais pas. Mais c'est pas possible, mais qu'avez-vous mangé, dis donc, à Monaco? Écoutez, des chocolatines. Je ne connais pas, qu'est-ce donc? Je suis pourtant français, je connais tout. Écoutez, ils appellent ça des petits pains, là, très beurrés avec du chocolat dedans. Ah, un pain avec du chocolat dedans, c'est donc, comme vous venez de le dire, un pain au chocolat, hein. Ah, ils appellent ça une chocolatine. Oh non, ces gens qui appellent ça meurent très souvent très jeunes. Ah bon? Bah oui, parce que... Vous me choquez. Ils sont débiles. Ils sont débiles. Êtes-vous débile, madame? Ah bah pas du tout, hein. Eh ben, c'est donc un pain au chocolat. Ce sera donc un pain au chocolat. Bien sûr. Oui. Dites-moi, dès que vous seriez prête à goûter des bonnes miches sorties du four ou un bon gros gland ou alors un bon fion à l'ancienne, n'hésitez pas. D'accord, très bien, je note ça dans un coin de ma tête. Bien sûr. Pour l'instant, j'ai pas très faim. Vous voulez mon numéro? Oui, écoutez, c'est toujours bon d'avoir des contacts, allez-y. Non. 80-64. Monsieur Pichon. Bernard. D'accord, et dites-moi, vous faites quoi ici? Beaucoup de choses. Vous travaillez, vous êtes gérant d'une entreprise. Je suis gérant, mais je ne travaille pas vraiment, j'ai des employés, madame. Oui, bah c'est ça, vous êtes gérant, quoi. On peut dire ça. Et du coup, gérant de quelle entreprise? Ça dépend. J'en ai plusieurs. Ah bah lesquels? Allez-y, allez-y. Oh bah justement une boulangerie-pâtisserie où nous gérons tout ce qui est fion, gland.
Azerail est stable. Je crois que tu montes en visa. J'ai pas fixé. Ok. C'est bon, je vais vous payer. Allez-y, monsieur. Tenez. Je peux vous payer en liquide directement ? Bien sûr, bien sûr. Parce que je déclare pas mes revenus, donc... Il n'y a pas de souci. Attendez. Bonsoir, ma petite dame. Bon. Si le soleil aurait un nom, ce serait... Alors, est-ce que vous voyez la dame... Attendez, je ne sais pas où elle est, Chantal. Là, ouais, je la vois, celle-là, quoi. Où est Chantal ? Est-ce que vous voyez la dame avec les ailes noires ? Ah, elle est... Oh, avec ouais. Les noirs, ouais, je la vois. Eh ben voilà, il faut discuter à elle et elle va vous gérer ça. Bon, faut passer par là, alors. Je lui ai déjà fait passer le mot. Tu veux vraiment y aller ? Bah ouais, ouais. Barnou, on s'en va ? Non mais c'est pas vrai, Will, vous cassez les couilles. À la fin, je lui ai dit, j'ai passé des délais de 2 minutes. Non bah ça y est, ça me casse les couilles, ça y est, j'ai plus envie. Excusez-moi, je reviens. Vous pouvez vous mettre aussi de... Que se passe-t-il, Bernard ? Mais rien, je vais me changer. Ah, faut vous changer. Vous êtes très bien comme ça. Non, je viens d'escroquer quelqu'un qui fallait pas escroquer. Montez, d'accord, Catherine. Je vous connais pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Plus proche. Sure. Waouh. Je vais juste changer les couleurs du costume et faire passer pour quelqu'un d'autre. Parfait. J'ai volé 1000$ au rocker. Comment vous lui avez volé ? Vous lui avez dit quoi ? Il a cru que j'étais organisateur de la soirée, le con. Oh. Je lui ai dit donnez-moi 1000$ et je vous mets un créneau pour le rock'n'roll. Mais. Vous n'avez pas dit votre nom, j'espère. Bien sûr que si. Oh my god. Mais vous inquiétez pas. On les reconnaît facilement, ils sont cons. Attention, on s'est fait 1000$, Catherine, soyez heureuse. Oui, c'est très bien, mais pour 1000$, on est en danger, mais bon. Non, plus que ça, on est en danger de mort. Ah bah, parfait. Normalement, ils sont assez cons pour pas me reconnaître. Oui, espérons. Oh merde, un véhicule. C'est pas grave. Non, voulez-vous que je ressorte mon petit smoking blanc ? Ah oui, la bijouterie s'est taillée une semaine. Bah oui, on est déjà passé à autre chose. Allons-y. Ah mais non. Catherine ? Oui ? Suis-je censé repayer ? Pour ? Ma tenue précédente. Non, normalement non. Bien sûr. Mais échanger au pire. Non, vous êtes bonne, Catherine. Ah oh, merci. Catherine, le rouge. Oui. Oui, attendez, vas-y, allez-y. Je vais changer tout le reste. Faites-moi voir plus de couleurs, peut-être. Il n'y a pas de jaune. Il n'y a pas de... De jaune. Vous voyez bien que non, Catherine. Ah oui, je vois, oui. Non, au vert. Oh, vert, c'est pas mal, oui. Non, rouge. Comme vous voulez. Oh, est-ce que c'est pas mal, mais bah peut-être oui. En blanc, la chemise. Un petit rose saumon. Oh, c'est pas mal, oui. Oh, c'est peut-être un peu trop rouge, non ? Comment c'est vous ? C'est pas mal, oui. J'aime bien. Allez, allons-y, Catherine. Oui, allons-y. Normalement, ils nous reconnaîtront pas. Bah, j'espère bien. De mémoire, je crois que je ne lui ai pas dit mon nom. Bon, bah parfait, alors. Oh, j'aurais dû mettre un petit chapeau. Non, it's ok, vous êtes très beau comme ça.
Nous ont les chapeaux. Catherine, l'entrée au festoche n'est pas payante. Non, bien sûr que non. Et puis au pire, s'ils nous demandent de payer, on dit qu'on est déjà rentré. Ben voilà, on s'est encore fait 1000$, les gars. Ça fait notre tenue gratos. Comment vous trouvez ma robe? J'aurais dû demander 3000$. Oh, sure. Elle est très mignonne, votre robe, Cathy. Merci beaucoup. Ce soir. Oui, j'ai compris. On fait la fête. Attendez, Milo m'appelle. Allô? Oui? Parfait, je vous le dis, je vous rappelle. Non, à 1000$. Il a payé le smoking. Elle me prend pas mon âme. Et la suite. Carrément. Pourquoi tu veux faire des erreurs? C'est qui ta chica? Ouais. Je sais pas. Là, tu vas arriver à marcher avec tes talons. Ça va pas. Laisse-le, tu fais pas le con. Hein. Ouais, Fubi, t'es bonhomme là, Fubi. Ça va, bah maintenant ah c'est ouais. Poel, mais... Mais je sais pas quoi faire, moi. Oui, ça va. Pourquoi vous allez danser les filles? Bonsoir. Ouais. Ok. Alors écoutez-moi bien. Actuellement, vous êtes... Taisez-vous. ...au festival Los Angeles, c'est-à-dire le plus gros festival de Los Santos. Je veux un maximum de bruit. Ouais, sort un big. Ouais. Ok. Les seins. Alors aujourd'hui, on va vous présenter des artistes. Aussi connus ou méconnus, des artistes qui sont là pour vous satisfaire, pour vous amuser. Alors, avant tout, nous allons accueillir le maire du sud pour qu'il nous fasse un peu de bière blanche. Donc, je vous demanderai tout le respect du monde. On peut passer ce moment-là. Monsieur CEO, vous pouvez venir. Je vous plains, que c'est quand même un bruit de Santos qui a. Ah, venons pas, ça va nous brider sinon. Les gars, dans le display qu'a ouvert David, il reste des trucs à tomber. Merci Kikichon pour le 31e mois, merci Youbaba pour le 22e mois, merci Mondig pour le 2e mois. Merci son coup. Ici pour fêter tous ensemble
l'apogée et la consécration d'un travail le ciel est bleu, de longue haleine que nous avons fait à la mairie. Ah oui, non, mais je l'ai bien baisé. Non, mais pour le coup, c'est un... Parfait. Mais ça vient de commencer, de toute façon. C'est un beau move. C'est Van Bon. Dans la vie de chaque citoyen de Santos. C'était un beau move. En vrai, pour renforcer la sécurité, pour promouvoir l'inclusion sociale... Razagoul, t'es là ? ...économique et préserver les environnements qui sont précieux. Merci Giovanni, merci mon frère. On a mis en place des programmes, on a créé des emplois, on a mis en place différentes politiques. D'accord. Et on a renforcé nos services de santé et les secours pour assurer la sécurité de tous les concitoyens. On a travaillé main dans la main avec toutes les communautés. La bien-pensance de merde. Les problèmes locaux. On a écouté les préoccupations. C'est quoi, on a pris des mesures appropriées. C'est qui le mec là ? On a construit des ponts. Merci mon Giovanni. On a encouragé la participation citoyenne et on donnait. Ça va et toi Giovanni ? Une voix dans les décisions qui affectent notre ville. Qui tutera de débile. Je fais une petite annonce aujourd'hui. Il fait une annonce. Qui s'en fout ? Il s'en fout ! Je vous annonce aujourd'hui que mon mandat de maire va prendre fin. Ouais ! C'est une bonne nouvelle ! Oh, victoire, bordel, victoire, allez, dégage ! Parfait ! Notre démocratie ne s'arrête pas là. Je non, c'est bon, si c'est fini. Donner à chaque citoyen la possibilité de diriger et de contribuer à notre ville. C'est pourquoi je suis heureux d'annoncer président dès aujourd'hui des inscriptions aux candidatures pour la prochaine élection municipale de Los Santos. Pichon, vous aurez donc chaque citoyen jusqu'à la semaine prochaine pour présenter à la mairie de Los Santos actuellement votre candidature avec vos idées, votre équipe. Et votre projet pour contribuer. Ah ouais, il y a personne qui check la display platine là qui s'ouvre, les gars, diamant et perles. Je remercie chaque citoyen pour votre soutien, pour votre confiance et votre engagement tout au long de mon mandat. Président, nous avons accompli ensemble de grandes choses. Nous avons redressé une économie qui était défaillante. Je pourrais me présenter. Allez toujours. Je ferai en sorte que mon successeur. Je ferai en sorte que mon successeur. Récupère des dossiers solides et une mairie saine. Et qu'il y ait des débats constructifs pour la politique et pour la démocratie de notre ville. Je vous remercie à tous d'être présents. Ouais. Et que le festival commence. Là, ta gueule, la musique, ouais. Merci, monsieur CEO, merci à vous. En vrai, on veut la musique, ouais. Fils de pute. Sans plus attendre, nous allons accueillir... Madame Victorine, un maximum de bruit. Allez. Comme t'es bonne. Bonsoir. Ah, un peu trop de joueurs au même endroit. Attendez. Aïe. Alors, connect. Après, on s'en fout, en fait, si vous voyez l'adresse de connexion, hein, pour le coup. On va attendre quand même. Ouais, Osef. Le maire a le droit de faire de l'illégal ? Bah après, si c'est toute ma famille qui le fait l'illégal et pas moi, en soi... Mais je pense que le maire a droit d'être corrompu. Hein. Maire n'est pas gouverneur. Hein. Oui, tu peux diriger les affaires de loin, bah exactement, hein. Exactement. T'as influence plus pouvoir. Ouais, il y a un maire au nord, il y a une maire au nord. Ça serait ouf si t'es... Ouais, bah en vrai, pourquoi pas. Alors, la première passe... Vous avez un whisky pour moi ? What the fuck ?
Moi, je veux bien. Ouais. Ah, chatte! Bah, rien, juste que je me bourre la gueule, c'est tout. Ok, j'ai eu trop peur. Non. Ah, j'ai l'appel, j'ai l'appel. Allez, un petit whisky. En vrai, vous me faites de la peine, vous avez qu'un œil. Merci. Comment ça, vous me faites de la peine, vous avez qu'un œil? Oui, c'est ça. Et moi, j'en ai plus qu'un. Ouais, elle aussi, mais bon, c'est pas une grosse perte. Ah, ouais, bordel. Eh, mais puis, viens, viens, il y a ton alter-ego féminine. Il y a un point commun, regarde, donc aussi un œil. Ah ouais. T'as perdu ton nid comment? Je crois qu'il va y avoir des vrais chanteurs et tout qui vont venir. Hein. Ah, il me semble. Bien fait pour toi. Enfin, il va y avoir des vrais groupes. Hein. Ah non, bah c'est le qui a perdu au final. Ah oui, elle est morte. Elle m'a mis très très Nate. Elle a peut-être raison. Quoi? Elle a peut-être raison, non? Je vais faire un procès d'intention pour malaise. Mhm. T'es même pas allé en prison, moi. Si. Non, j'ai pas sorti le couteau. Non, non, c'est ah oui, bon. Hey, wouhou, sort un but! C'est pas de Ah, mais les SO, Timmy, je leur demande. C'est incroyable. Pareil. C'est moi, c'est à cause d'un homme. Comment allez-vous, Melao? Oui, ça va, vous? Bah oui, j'adore vous entendre. Bah, du coup, je vous ramène votre cargaison comme prévu, là. Je vais passer à la deuxième douane. Déposez où? Le problème. Alors, Cathy a eu un gros mal de crâne, si vous voyez ce que je veux dire. J'attends qu'elle revienne et je vous rappelle de ce pas, ma petite Melo. D'accord, merci. A tout de suite, Melo. A tout de suite. Oh, cette voix. Allô? Mais je pensais pas que c'était aussi rapide quand je vous ai dit. J'ai pas fait exprès. Bien sûr, à tout de suite. Chili. Oui. Viens, faut que je te parle. Tilly. Ah. Non. Vraiment pas. Compliqué. Ça, Moi, j'ai mal au crâne. Non, faut qu'ils soient tous sur la scène. Et ils se débrouillent entre eux. Voilà. Je regarde. Elle a bugué. Elle a bugué comme moi j'ai bugué. Donc. Il reste des trucs intéressants à tomber ou pas, les gars, dans la display alors? Ok, parfait. Attendez. Je fais quoi les gars? Je lui dis de l'amener à la villa. Sans. Merci Ben. Ouais mais faut pas que je lui dise où est notre villa. Oui allô. Allô. Oui. Bernard, oui, que faites-vous du coup? Bah du coup je vais chercher le camion. Quel camion? De drogue. Vous nous avez même pas appelé. Bah pourquoi? Pourquoi s'en occupe aussi? Mais parce qu'il y a qu'une place dedans. Une place? Et pourquoi c'est vous qui le faisiez alors? Bah parce que ça sert à rien qu'on soit 10 à le faire, je vais l'emmener à la villa. D'accord, très bien, et on fait quoi avec ça? Ouais bah on va devoir revendre la drogue. Et là ça va être à vous de le faire. Bien ok. Bah oui. Bon bah tout à l'heure. Bah oui. Attendez, qu'est-ce qu'elle dit là, Cathy? Attendez. Trop de joueurs, bug invi. C'est quoi bug invi? Bug invisible? Allô, oui? Oui, Milo, où êtes-vous? Là, je suis à mon quartier. Avec le camion? Oui. Commencez à vous diriger vers les villas, en hauteur. Oui, ça marche. J'attends la petite Cathy. Vous êtes combien? Je suis toute seule. Vous êtes incroyable, Milo, vraiment. On m'a rattaqué, c'est normal? Bah oui.
J'attends la petite Cathy et j'arrive. Je reviens là où j'étais. Non, voilà. Allez, faut qu'elle se dépêche. C'est où? Nana? Allez, montez, nom de Dieu! Nana, vous êtes là? Ben oui! Où voulez-vous que je sois? Cathy? Nana? Cathy? Cathy! Catou! Putain, quel enfer! Oui, allô? Je vous entends ici. Bah oui! Bon, bah parfait, bah. Vous avez de la merde dans les oreilles, c'est remonté jusque-là! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on s'en va? Mais parce qu'il y a le camion! Ah, ok, 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 allez-y, allez-y. Attendez, je vais donner une position à Mélo. Mettez notre ville là, s'il vous plaît. Peut-être un peu plus bas. Non? Oui, mettez notre villa que j'ai un point de repère, Katou! Merci, Katou! De rien. Je pense que vous pouvez raccrocher, non? Bah, ok. C'est bon? Ah oui, c'est bon. Bah voilà. Bon. On va lui donner rendez-vous ici, ça me paraît pas mal. Qu'en pensez-vous, okay. Katou? Oui, c'est pas mal. Allez-y, appelez-la. Et moi, je lui envoie les données. Oui. Je lui ai envoyé notre position. Oui, mais là, venez à la position qu'on vous a envoyée. Avec le camion. Ok, parfait. C'est peut-être sûrement le pire endroit, hein, si près d'un festival. Oui, oui, vous inquiétez pas, je vais dire qu'elles nous suivent. Et vous voulez qu'on aille où comme ça? Là où j'ai mis le point. Eh ben voilà. Allez-y, suivez-nous. Suivez-nous. Oui. Elle est adorable. Mmh. Et pourquoi voulez-vous pas qu'on prenne le camion? On va le prendre, mais ici. Bien sûr. Là, fallait aller à droite. Vous me faites chier. À droite, à droite, allez-y. Non. D'accord. On peut s'arrêter ici. Bien sûr. Tout s'est bien passé, ma petite Mélo? Bah ouais, tout s'est bien passé. Oh, vous êtes adorable. Bonsoir, Mélo. Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va très bien, vous? Oui, très bien. Attendez, faut juste que je fasse un peu de ménage. Ah, sûr, bien sûr. Oh, eh bien, parfait. Incroyable. Incroyable. Dis donc, je ne sais pas si c'est un hasard, mais ce camion est exactement de mes couleurs. Ah oui, c'est vrai. C'est votre camion? Bah oui. Les tech. Est-ce que c'est bon pour vous? Non, faut juste que je reprenne la farine et les fraises. Mélo, combien voulez-vous être payé pour avoir fait ça? Moi, je sais pas, c'est vous qui voyez. Non, mais donnez-moi une petite idée, par exemple. Combien vous satisferez? Bah, comme je dis, je sais pas, c'est vous qui voyez, selon vos... Moi, comme je procède, c'est les gens qui fixent les prix et nous, on prend, vous voyez ce que je veux dire? Il y a les clés dans la boîte à gants, monsieur. Parfait. Bien sûr. Ouais. Catherine? Mm-hmm. Vous ne voulez pas poser une petite question à Mélo? Quelle question? Par rapport... Non, mais Catherine, vous allez ramener le véhicule, je vais ramener le camion.
Ah, ok. Le camion est à mes couleurs, tout de même. De quoi ? Vous voulez pas poser une question par rapport à... Comment dire ? L'après ? Non, plus tard. Bien sûr. Oui, on va se recontacter, Mélo. D'accord, vous aurez votre paye, vous ne vous inquiétez pas. Bien sûr, on vous recontacte dès ce soir, Mélo. Vous voyez combien vous nous filez, ok ? Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Allez, ciao. Parfait, merci beaucoup, Mélo. A plus. Ok. Les gars, c'est trop stylé. On a le camion de... Qu'est-ce qu'il branle ? On a le camion de cocaïne. J'aime bien Mélo, moi, il me fait rire. Avec sa voix et tout. Dommage que le festival fasse bugger un peu... Elle m'a pas attendu? Putain, mais quelle chèvre! Elles sont bas les couilles! Tu parles la pire escorte du monde! Combien ça coûte un camtar comme ça? Parce que faut le garder, hein! Je sais pas combien ça coûte. Ah, mais on n'a pas la carte grise. Mais qu'est-ce qu'elle branle ? Mais elle est pas rentrée ? Mais qu'est-ce qu'elle branle ? Oh, Cathy, qu'est-ce que vous faisiez ? Bah rien, je faisais le tour. Mais pourquoi ? Pour vérifier qu'il n'y a personne. Non, oh, arrêtez, Cathy, pas moi. Cathy ? Mmh. Ou gardons le camion, non ? Enfin, gardons ça dans le camion. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Nous avons la clé, Cathy. Comme vous voulez. Bah, non, je ne sais pas. Je sais, comme vous voulez. On peut le garder, mais alors pas ici. Mais bien sûr, je vais le garder plutôt derrière. Oui, oui. Sous le Porsche. Cathy, combien coûte un camion comme ça ? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais il faudra le rendre. Oui. Ça coûte 40 000 $. Ah, il va falloir le rendre. Oui, bien sûr. Nous n'avons pas prévu de le garder. Comment allons-nous faire, Cathy, pour le reste? Il faut organiser un petit rendez-vous avec Medlow et puis ils se chargeront de découler ce qu'on a reçu. Mais on peut pas donner cette mission aux frères histoire qu'on gagne un maximum d'argent? Si, on peut très bien leur donner, oui, en effet. Ils doivent les vendre un par un, c'est ça? Mm-hmm. Bien sûr. Vous voulez qu'on fasse une session apprentissage de vendre de drogue? Donc ça pourrait être pas mal. Ok, parfait. Est-ce que 5 000 vous paraît convenable pour Mélo? Oui, c'est pas mal. Oh, elle a fait qu'un aller-retour, n'abusons pas. Oui. 5 000, c'est ok. Vous même un peu moins, peut-être. 4 000. Allez. Oui? Comment allez-vous, Mélo? Comment ?
Comment allez-vous, Mélo? Ça va et vous? Ça va très bien. Dites voir. Mais c'est Claude. Nous avons réfléchi par rapport au prix à payer. Oui, alors dites-moi, je vous écoute. Vous me dites ce que vous en pensez. Que pensez-vous de 3500 pour l'aller-retour? Ben, je sais pas. Je vais en parler à mon gradé, ok? Bien sûr, n'hésitez pas à me dire la vérité, Mélo. Nous sommes pas là pour nous vexer. Ouais, bien sûr, y a pas de soucis. Ce que je vais faire, c'est je vais plutôt donner votre numéro de téléphone, il verra ça avec vous, ok? Bien sûr, Mélo. Mais vous, qu'en pensez-vous à titre personnel? Je ne veux pas vous fâcher, ben, vous, Mélo. En fait, j'en je vous apprécie rien. Beaucoup. C'est rien parce que j'ai jamais fait ça pour quelqu'un d'autre, les transactions, je sais pas. Bien sûr. Vous voulez un whisky? Donc je vous dirai, ok? Bien sûr. Je vais donner votre numéro. Bien sûr. Ok, merci, monsieur Bernard. À très bientôt, Mélo. Merci, Auron 79. C'était Claude, c'est ça? Oui, j'ai pas bien. Il est assez con pour faire des bêtises. Attendez, je l'appelle. Hello. Vous avez fermé le camion. Claude, on vous a croisé en skateboard. Si. Que faites-vous? Je rentre dormir. Oh, vous... Bah oui, vous vous levez tôt pour pêcher demain. Très tôt, même. Faites attention à vous. Bonne fête, père. Bonne fête, Claude. Merci. Garez-vous, nom de Dieu. Oui, je me gare. Pas mal, les bzebs. Les? Non, rien. C'est une expression française, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vanne, ça fait 6 mois qu'elle est plus d'actualité. Mais vous voyez bien mon âge, abruti. Attends. Bah non. Mais regardez bien. Voilà. J'ai 55 ans, donc ça va de pair. 55 ans? Bah oui. 55 ans et tu nous franchement, traites d'abruti. Ah ouais, d'accord. Mais je vous souhaite d'être dans mon état quand même à 55 ans. Bah, non, franchement, non, c'est non, vrai. Non, mais en vrai, il en fait 25 hein, en vrai. Hein. Bah, oh, top. Ouais. Vous en faites peut-être un peu trop. Bon, d'accord, je te lèche un peu trop les quoi, boules, ok. Tu sais quoi, regarde. Je vais t'enlever ta veste gentiment. D'accord, voilà, vas-y. Bah non. Tire ta veste. Mais non. Si, je te la redonne, si je te la redonne. Mais lâchez cette veste, monsieur. Non, ça prend Zaras même. Non, voilà. Mais non, comment ça se fait? Lâchez cette veste. Tu le déboutonnes sensuellement là quand même. Bah oui. Monsieur, lâchez un peu. Mais viens ici. Monsieur, lâchez-moi. Mais tu peux pas bouger si t'as ta veste là. Bah si, mais je peux bouger même si tu m'arraches la veste. Bah oui. Non. Arrête. Bah alors. Mais il est jeune et con, c'est pas possible. Bah toi t'es vieux et mosse. Oui, c'est vrai. Et alors? Alors. Non, franchement, vous faites pas votre âge. Merci monsieur, vous êtes adorable. Très belle. Bon, voiture, je suis censé dire, je suppose.
allez, du requin, voilà, allez hop. Beau requin. Avec un bon tirant, monsieur. S'il te plaît, fais quelque chose. Et voilà. J'imagine, monsieur, que c'est vous qui payez, c'est ça? Avez-vous de la limonade? Non, attends, reporte-moi. Non plus. Non. D'après, il faut que tu m'attires. Non, c'est madame qui paye. Non, c'est vous, non. Non, alors, c'est vous qui payez. Non, c'est vous. Non, je vous assure que c'est vous qui payez. Non, je vous assure. Okay. Non, Catherine, alors, sinon je vais devoir me barrer en courant. Ah, bah c'est pas cool ça, monsieur. Bah oui. Bah oui. Mais c'est pour ça qu'elle va payer. Mais sur votre compte, non, c'est pas sur le mien. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais emmener votre dame prendre un verre. Il a envie de gigoter. Oui. Mais on était tous entraînés par le rythme de la musique. Attendez, pourquoi vous m'avez fait payer moi? Eh ben, monsieur, vous êtes gentleman, non? Non. Moi, quand je chantais, ça dansait pas comme ça, yo. C'est qui rock? Catherine, vous me devez 200 dollars. Ah bah. 130 sur la scène. Donnez-moi immédiatement, par contre, Catherine. Quand je vais vous emmener boire un verre, c'est moi qui paierai, d'accord? Mais vous l'emmènerez pas à boire un verre sans moi? Bien sûr que si. Mais bien sûr que non. Bah, bien sûr que si. Là, je vous mets au défi. Ah bah alors là, mettez-moi au défi, y'a pas de problème. Eh ben allez-y, plutôt, alors. Plutôt que de vous mettre au défi, non, vous pouvez c'est vous pas pouvez avancer parce que... Non, j'ai envie de danser. Commander aussi. Ah, okay. Ouais, moi aussi, c'est wouh. Putain, j'avoue que la musique, elle est toujours en train de... ça suffit le bordel, là. Travail. Oui, arrêtons les conneries. Catherine, venez. Oui. Donnez-moi 200 dollars. Je n'ai pas 200 dollars sur moi. Catherine, vous essayez de me baiser. Non, nana, c'est juste que tout l'argent va sur votre compte, nana. Je n'ai rien sur moi. Mais comment ça, l'argent de quoi va sur mon compte? Et tout l'argent que vous expliquez, ça va chez vous, c'est pas chez moi. Non, mais attendez, mais vous me servez à quoi? Je n'ai pas d'argent sur moi. Mais sur votre compte, vous avez combien? Je n'ai pas d'argent sur mon compte. Non, vous vous foutez de ma gueule. Bah, non. Vas-y. Toi, tu m'as arnaqué 1000 dollars. Mais jamais de la vie, monsieur. À qui parlez-vous? Si, si, tu travailles. Toi. Quelques doigts, t'as dit que tu travaillais ici, rends-moi même 1000 dollars. Mais vous trompez de personne, monsieur. Non, arrête de me prendre pour un con. Mais. Écartez-vous, laissez passer, gros. Vous trompez de personne, monsieur. Mais de quoi il parle? Arrête de me prendre pour un con, tu m'as arnaqué. Tiens, voilà, dansez. Mais j'ai pas envie de danser, moi, cette musique de merde. C'est satanique, là. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais attendez, la musique, on contrôle. T'es possédé par le dance floor. Allez, aidez-moi, je suis. Ouais, bête, monsieur, non. Coué! On court alors. Mais c'est pas possible. Fais attention, ça va? De toute façon, t'as ton bracelet. Non, fils de pute, me fouiller! Comment? Un fils de pute m'a fouillé! Ah bon? Mais oui, celui que j'ai arnaqué. Buonasera à tutti. Et il vous fouille comme ça. Oui, c'est pour ça qu'on va devoir s'occuper de lui, mais ils sont beaucoup trop nombreux. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Attends, parce qu'en fait, ma radio est hyper forte. Quand tu me parles, T'inquiète. Bonsoir, vous venez d'arriver là, ça? Non, pas. Non, nous venons de repartir. Okay. Essayez de vous rapprocher de l'événement quand même pour parler un peu. Qu'on essaye de replacer tout le monde, quoi. Qu'il n'y ait pas du monde dispersé un peu partout. On allait partir. Oui. Ok, bah on vous ça. Laisse. Ok, très bien. Bah, attendez, on va chercher Catherine. Non, on revient. Oui. Ça marche. Catherine, arrêtez de danser, c'est ridicule. Pardon. Désolé, j'étais en. Oui. J'étais embarqué. Oh non, putain. C'est plus fort que moi. Allez. Allons-y. C'est bon. On y va. Vous voulez pas écouter My Bitch is Splash? Avec Pot in the Spliff. Oui. Au revoir. Allez ta grand-mère. Putain. On se rejoint à la villa. Bah oui. Mais que fait Catherine? Ah là, il y a beaucoup trop de monde au même endroit. Mais c'est une soirée de merde, montez! Oh non, j'ai plutôt apprécié. Non, arrêtez, Catherine. Vous aimez bien la musique de merde? Non, pas la musique, mais où? Mais messieurs, faites attention. Bah doucement. Non, comment allez-vous? Pardon, excusez-moi. Bah oui. En fait, si vous voulez, là, on voit pas de ouf. Oui, j'entends bien. Mais fermez ce coffre, Catherine.
C'est pas moi qui l'ai ouvert. Non, c'est pas. C'est non. Les... non, mais en fait, ils doivent se changer, à mon avis, et du coup, ça ouvre le coffre. Non, bien sûr. Faites c'est attention à vous, messieurs. Merci. Bah, ouais, ouais, bah, ouais, du coup. À bientôt. À bientôt. À bientôt. C'est fini. Mettez la villa. Mais quel enfer, cette musique. D'abruti. Je vois que vous n'appréciez pas les festivals, vous étiez... Catherine, arrêtez. Bah, vous appréciez quand vous étiez jeune. Ça fait bugger mon cerveau. Ah oui. Bon, de toute évidence, changer le haut et le bas n'a pas suffi, ils m'ont reconnu. Ah oui. C'était sûr, vous n'avez pas changé de visage. Mais vous n'avez pas vu que ce sacripant était en train de me fouiller? Ah non, j'ai pas vu. Oh, fils de pute. Oh. Dites-moi. Non, non, j'ai pas, j'ai un peu peur. Ah, vous avez dit au bourguignon de venir à la villa? Bah oui, ils sont dans la voiture de derrière, Catherine. Ok. Faut suivre. On leur fait une petite démonstration? Oui, mais pas à la villa. Merde. Catherine. On sait jamais. Catherine. Non, mais. Non, mais genre, laissez-moi vous dire que j'en ai vu des gens cons, mais Catherine, tout de même. Non, je ne suis pas de ces gens. Mais bien sûr. Vous êtes au-dessus tout ça. Vous êtes la chef. Oui, bien sûr. Oh, vous énervez pas, Catherine. Vous voulez que je vous ramène à la soirée, Catherine? Non, non, non. Si, vous avez l'air de bouder. Ouvrez-moi ce portail. Non, pas du tout. C'est beaucoup mieux ici. Vous avez fermé le portail, messieurs? Pas encore. Bien sûr. Il y va. Merci de nous avoir éloignés de cette musique horrible. Bah oui. Donc, Catherine... C'est quoi le camion? Catherine avait l'impression de retrouver sa jeunesse. Oui. Ce camion vaut 40 000 dollars, donc si j'étais vous, je fermerais ma gueule. C'est plutôt un fan. Bah oui. Bah oui. Ouvrez-le, nana. Bon, attendez, une mule. Mais c'est une mule, abruti. Vous savez la définition d'une mule ou pas? Non, mais la mule, c'est un véhicule à Los Santos. Oui. Oh non, putain, oui. Écoutez Catherine, s'il vous plaît, tous. Je vais vous donner à chacun. Combien vous en donnez, Catherine? J'en donne 5. C'est beaucoup. Mais non. Ne le consommez surtout pas. Merci. Si vous faites les cons avec, ça sera prélevé de votre salaire. On va pas. Bah dans ces cas-là, vous serez mort. On vous tuera, en gros. D'accord. Elle patronne. Bah oui. Non mais c'est ce qui est écrit sur le sachet. C'est ça. Ok. Vous pouvez fermer le coffre, Nanaï. Parfait, allons-y. D'accord. Je crois qu'il a pas le droit de... il avait pas le droit de fouiller. Il a pas le droit de fouiller. Pour le coup. T'as pas le droit de fouiller quelqu'un sans son autorisation ou autre. Mince. Catherine? Oui? On les suit? Ils nous suivent? Ils nous suivent. Donc vous avez vérifié que c'était bien fermé le camion? Venez, on prend l'autre voiture. Pourquoi donc? Parce qu'on l'utilise pas vraiment, alors attends, on utilise l'autre. Bah, pourquoi ils sont... Bon... Ah, mais j'ai pas les clés. Ah. Si, j'ai les clés. Qu'est-ce qu'il y a? On attend. Vous voulez pas prendre l'autre voiture? Laquelle? Bon, it's okay. Oui, on vous suit. Qu'est-ce que vous faites, Catherine? On n'avait pas les clés, de toute façon. Mais je ne sais pas à quoi ils jouent, mais si, vous avez les clés. C'est... Non, ils ont pas les clés de l'autre, je sais pas quoi. Mais si, ils ont les clés. Catherine. Allez-y. Fermez le portail. Je sais pas ce que vous faites, mais... Oh, putain, Catherine. C'est les abrutis, oui, frère. Allez-y. Catherine. Attendez, attendez. Non, 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 non. Jean, descendez, s'il vous plaît. Venez par ici, Jean. Ça vous fait rire? C'est pas moi, c'est en plus... C'est qui? C'est un des Lambert. Que la personne... Les Lambert, descendez s'il vous plaît immédiatement. Non mais...
Qui a fermé ce portail? Non mais je n'ai même pas la carte. Qui a fermé ce portail? C'est pas moi, je vous jure. Sinon, les deux, vous êtes au sol. Donc qui a fermé ce portail? Je vous jure que c'est pas moi. Pas d'entre nous du moment. Ah non, c'est pas les lambert. Je veux un responsable immédiatement, que tout le monde descende de ce véhicule. On se serait pas permis de faire ça. Je n'ai plus envie de rigoler. Bon sang. Mais qui a fermé ce putain de portail? Dans ces cas-là, c'est Jean. Ah non, c'est pas moi. Ça ne peut pas être le pilote, dans ces cas-là, c'est Jean. Qui a fermé ce portail tout de suite? Bon. Catherine, garez le véhicule sur le côté. Jean, garez ce véhicule sur le côté. Je ne peux pas le garer, j'ai pas les clés. Vous trois, venez. Venez. Voilà ce qu'on va faire, ça va être simple. Donnez-moi les... chacun les pochons que vous avez. Allez, allez. Je vais garer celui-là. Très bien, venez. Vous allez faire un combat à mort, vous trois. Si personne ne veut dire qui est responsable, vous allez faire un combat à mort. Vous êtes sûr, Nana? Bien sûr. Vous avez tous un couteau. Non. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est simple. Vous trois. D'accord, attendez. Oui. J'ai récupéré les pochons, vous inquiétez pas, Catherine. Ah, ok. Mais bien sûr, pour qui me prenez-vous? Vous trois, là, vous... Peu importe comment vous vous battez, vous avez le droit de sortir les couteaux. Je veux un combat à mort. Le seul qui sera debout aura le droit de venir avec nous. C'est parti. Tous les coups sont autorisés. Allez. Je veux qu'une personne debout. Écartez-vous, Bernard. Que faites-vous? Non, sortez de ce véhicule. Allez, battez-vous, battez-vous, faites l'homme. Vous devriez monter sur la voiture, Bernard. Oh, le premier qui me touche, il reçoit un coup de couteau. Aïe. Hello. Je suis désolé. Ouais. Ça va, tu veux bien et vous? Jean, occupez-vous de lui. Jean, occupez-vous de lui. Pierre, occupez-vous de lui. Très bien. Philippe? Oui. Mais non. Désolé, mais t'as touché. Allez, battez-vous, vous deux, battez-vous! Un de moins. On va leur apprendre à respecter la famille. Oui, je vais trancher la carotide par contre. Faudra faire vite. Oui. Ah, c'est William qui a gagné. William? Oui. Est-ce que c'était vous pour le portail? Je veux la vérité maintenant. Non, c'est pas moi. Je vous le jure, c'est pas moi. Bien. Ah la vache. Bon, appelez les secours pour cette personne qui... Pour Philippe. Philippe qui m'a tapé. Non, venez par ici, Jean. Tu t'en charges, William. Où allez-vous comme ça? Vous avez dit que seul le vainqueur vous suit, donc je retourne à la villa. Non, Jean. Vous croyez partir comme ça? Jean? Vous êtes sûr, Jean? Jean? Jean, vous êtes sûr? Jean, je vous pose une question, est-ce que vous êtes sûr? Jean, arrêtez, je vous parle. Arrêtez. Catherine, vous devriez vous écarter. Jean, je vous parle. Jean, répondez! Répondez, Jean! Jean, venez par ici! Jean, la fuite n'est pas une option, Jean! Je crois que vous ne connaissez pas bien la famille, Jean! Quel dommage! Je vous aimais bien, Jean. La prochaine fois, je vous demanderai d'écouter. Catherine, récupérez les pochons sur moi, embarquez les deux, je vais rester avec les blessés et je vais leur dire que malheureusement, ils ont trébuché sur un couteau. Let's go. Tu viens, William? Ouais, allez-y, William. Du coup, on reste dans ces voitures. Ouais, va falloir écouter. Nana, où est Jean? Oh, Jean, je lui ai mis deux coups de couteau là-haut. Oh my God. Sur la route. Allez. Oh,
décidément. Vous n'avez malheureusement pas l'air de connaître la famille. Que faites-vous, Jean? Bah, j'attends. Non, venez par ici. Non, 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 Jean. Jean. Attendez. Jean? C'est la dernière fois que je vous dis de venir par ici, Jean. Jean? Pourquoi fuyez-vous, Jean? Dites-moi, répondez, Jean. Répondez, allez. Des petits coups. Je suis inconscient. Vous êtes inconscient, Jean. Voilà. Là, vous êtes conscient, Jean. Va falloir arrêter de me prendre pour un con, Jean. Vous comprenez? Voilà. On arrête les bêtises ou on attend les secours, Jean? Non, aidez-moi! On est là, monsieur. Tout venez! Il y a une autre personne à terre là-bas! Venez! Oh, dites donc, Jean. J'espère que vous allez vous en sortir et arrêter de prendre les gens pour des cons. Oh, regardez, ces deux personnes à terre! C'est passé quoi, monsieur? Oh, c'est une rixe, il y a une descente d'un quartier d'à côté. Ils ont reçu des... C'est passé quoi spécifiquement, si vous avez plus d'informations? Eh ben, il y a des gens qui sont sortis cagoulés, qui ont mis des coups de couteau, j'ai pu courir pour sauver ma vie. Donc là, les deux messieurs qui avaient seul, ils ont pris des coups de couteau, là? Bah, je ne sais pas, vous de me dire. J'ai pas de fou pour l'instant, j'essaie de... Je suis pas devin, monsieur, j'étais pas là, hein, donc... Non, mais tout s'est passé tellement vite. Monsieur, oh, Jean, vous allez bien? Oui, je vous entends. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Je n'ai rien vu arriver, c'est arrivé si vite, j'ai pris un coup de couteau et... Vous avez pris un coup de couteau à quel niveau, monsieur? Au niveau du bras. Oh. Et je suis tombé par terre, j'ai fait le mort. Mon dieu. Ok. Et vous? Attends. Vous allez bien, Phil? On va sauter dessus. Oh, mais c'est horrible. Ok, on va aller... J'ai mal où? Suivez-moi, on va aller dans l'ambulance. Oh, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Venez avec nous. Oui, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, on a une bonne mutuelle. Regardez l'état de notre voiture là-bas. L'agression s'est si vite déroulée. Jean, je vous rejoins à l'hôpital. Oh mon dieu. Prenez soin d'eux. Vous inquiétez pas, monsieur, tout va bien se passer. Oh, c'est horrible. Non, j'espère qu'ils vont s'en sortir. Il y en a un qui était dans un piteux état. C'est un film, moi, j'étais... Ouais, mais il va falloir les éduquer, malheureusement, hein. Ne jamais prendre la famille pour, Ne jamais prendre la famille pour des petits cons, hein. Allô? Oui, Kat, mettez-moi sur le haut-parleur, s'il vous plaît. Oui, je ne suis pas... Enfin, je suis toute seule, mais oui, dites-moi. Mais où sont les frères? Ils sont en train de vendre. Vous leur avez déjà tout montré? Mm-hmm. Je vais à l'hôpital rejoindre les deux autres. Va falloir leur faire un brief pour qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons. Que parfait. On finit et on vous rejoint. Bien sûr. Vous pensez que les deux ont compris, ceci dit? Oui, je pense que c'était une bonne leçon. Bien. C'est ce que je préfère. C'est ce que j'aime entendre. Ils se sont excusés, en fait. Bon, voilà des bonnes nouvelles. Je rejoins les deux autres à l'hôpital. Parfait. Nous raccrochez. Non, il n'y a plus d'essence. Quelle bande de bâtards. Je vais leur mettre un petit plein histoire de... Non mais faut pas se foutre de la gueule de la famille.
Ils ont malheureusement oublié. Ils ont malheureusement oublié qu'on les entretenait. Ils ont oublié qui est qui. Oui, c'est ça. Ils ont oublié que... Allez pas nous prendre pour des petites salopes. Putain, j'aurai assez ou pas? Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, on va pas abuser, je vais leur mettre un tout petit peu quand même. La famille, c'est la famille. Allez, à 100$, je m'arrête. Mais ouais, je crois qu'il avait pas le droit de fouiller. Il avait pas le droit de fouiller, le mec. Il avait pas le droit de me fouiller, le mec, sans mon autorisation au festival. Merci, Dompli. Merci, mon frérot. Ça fait plaisir. Très bien. Musique, tout ça, mais enfin bon. Nous aussi, on y a été, hein, en service. Voilà, et vous voyez, quand on a des appels, on se déplace. Donc, il y en a qui ont préféré prendre des fins de service, mais enfin bon, ça, c'est une autre histoire. Quel dommage. Oui, bon, en tout cas, merci d'être présente pour nous ce soir. Il n'y a aucun souci, monsieur. Alors, du coup, je vais procéder à une petite anesthésie locale au niveau de votre plaie, d'accord, pour pouvoir vous faire du coup des sutures et recoudre ça. Donc je vous rassure, ça n'a rien touché de grave. Hein. Voilà, vous allez juste avoir une belle cicatrice, d'accord? Un nouveau fait d'arme, nice. Déjà, j'ai une profondeur de 2-3 cm, c'est pas si grave que ça? Non, est-ce que au niveau du stéthoscope, tu entends un râle au niveau des poumons ou pas du tout? Demande au patient si le patient a du mal à respirer ou si c'est douloureux. Vous avez du mal à respirer ou si c'est douloureux quand vous respirez? Merci mon Halo. Ça va ou quoi? Ça va, ça va. C'est... J'ai surtout eu peur. Et... Quand je vois du sang, moi je tombe dans les pommes. Oui, bah, je comprends. C'est pour ça que j'ai tout nettoyé, comme ça, il n'y a pas de souci. Si au stéthoscope, tu n'entends pas de râle, et bah, c'est que donc, ça n'a pas touché le poumon. Donc tu fais une petite anesthésie locale autour de la plaie et tu fais les points de suture. Ok. Tu n'as pas peur des aiguilles, j'espère? Non. Ah, c'est pas trop douloureux, monsieur, ça va? Non, piquer. Vous savez, une fois que j'ai senti le coup de couteau, j'étais mort et ils ont été désintéressés de moi, donc c'est très superficiel. Elle vous recoute tranquillement la plaie. Je ne suis qu'un couard. Je vais peut-être sentir un petit peu malgré l'anesthésie locale. Je le sens un peu, ça m'arrange aussi. Je suis désolée d'avance, mais... Je vous fais les points de suture. Faites ce que vous avez à faire. Je vais vous mettre un petit pansement par-dessus. Ok, super, je coupe le fil. Et vous serez... Salut JS le barbare de votre soirée. À quel point le serveur est sérieux? Bah, il est sérieux. Enfin, je sais pas... si tu veux savoir, genre, d'une échelle de... Et voilà, mon petit monsieur. De 1 à 10 non, c'est un serveur très sérieux. Voilà, c'est fini. Hop, je vous laisse remettre votre veste. Si vous voulez, je vous aide à remettre votre veste. Ah, s'il vous plaît. Oh, j'espère que ces délinquants ne reviendront pas. Bah, je l'espère aussi. Pour la facture, du coup, Avery, c'est $150, hein, parce qu'il y a une anesthésie locale, ok? Oh, c'est tout à fait normal avec le travail que vous faites. Je vous fais la petite facture, monsieur. Oh, bah, je vous avoue que ce soir, le travail, je suis un peu sur les nerfs, je vous mens pas. Oui, je comprends bien, madame. Mais en tout cas, vous faites un travail. Sans vous, la ville serait dans un sale état.
Alors, on fait ce qu'on peut, enfin, en tout cas, du moins. Merci beaucoup, monsieur. Du coup, je vous ai mis des fils résorbables, hein, donc vous n'aurez pas besoin de repasser à l'hôpital pour les faire enlever. Ouais, la même stratégie, c'est trop. Ils vont, ouais, ils vont se retirer. Par contre, messieurs, si jamais dans la nuit, vous faites une montée de température, si jamais vous avez de la fièvre ou vous sentez ça brûle au niveau de la plaie, il faudra revenir à l'hôpital. C'est potentiellement une infection. D'accord. Si vous avez de la température, c'est que potentiellement il y a une infection, donc n'hésitez surtout pas à repasser à l'hôpital. C'est okay noté. Voilà, et je vous conseille de nettoyer la plaie avec du savon neutre. Évitez les gels douche, aromatiser tout ça. Non, y a pas de problème. Très bien, c'est okay noté. Mmh, je vais voilà, accompagner messieurs, ces messieurs. Merci beaucoup, oui, madame. Pas de soucis, je vous en prie, soyez prudents, faites attention à vous. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein, les héros de nos jours n'ont pas de cap. C'est vrai. Au revoir, messieurs. Tiens, Nors. Ouais, je suis encore tombé. Au revoir et bon courage, mesdames. Messieurs, je suis très déçu de votre comportement. Je maintiens, ce n'était pas moi. Peu importe, je suis très déçu de votre comportement. La prochaine fois, je demanderai à ce que vous portiez un minimum vos couilles, quitte à rigoler de situations aussi grotesques. Bah, c'était quand même très drôle. Bien sûr. Je me serais pas permis de fermer le portail. Oui, je veux pas le savoir. Si vous n'êtes pas capable de dire qui c'est, je m'en occuperai comme il faut. J'espère que vous avez néanmoins compris la leçon. Le résultat reste le même. Dites-moi. Ce n'était pas moi. Peut-être mais c'est resté drôle. Vous faites toujours preuve de mauvaise foi, dites-moi, Jean. Ce n'est pas de la mauvaise foi. Ce n'est pas... Qu'est-ce donc, alors? La vérité. La vérité, c'est que vous êtes à terre, vous avez été ridicule et vous avez été emmené à l'hôpital. Oui, allô, Catherine? Maman? Oui, dites-moi. Nous sommes derrière vous. Non, je vais au garage réparer leur véhicule, vu qu'aucun d'eux n'est capable de le faire. Ok, parfait, on se rejoint là-bas. C'est un des occupants du véhicule qui va payer. Ah oui. Bien sûr, je leur ai déjà mis un peu d'essence, n'allons pas dans l'abus. Bien sûr, bien sûr. Bien bon, sûr. Bon, eh bien, vous suis. Très bien, direction de Belize. Okay. J'espère que vous avez de l'argent sur vous, messieurs. Je vous demanderai de prendre soin de l'équipement familial, que ce soit véhicule ou autre. Je vous ai mis un peu d'essence, de quoi, je dirais, faire quelques allers-retours. Ne me remerciez pas, ça m'a coûté $150. Merci. Messieurs, laissez-moi vous dire que c'est pas avec des comportements comme ça qu'on ira loin, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Il va falloir être un tout petit peu plus mature. Il y a des temps pour rigoler, il y a des temps pour s'amuser, il y a des temps pour être sérieux. Je pense que vous le comprendrez. Oui, tout à fait. Jean, vous n'êtes pas très bavard. Bah, j'acquiesce. Bien. Ça ne vous empêche pas de répondre, ceci dit. Très bien. Allez, messieurs, je vous laisse réparer le véhicule. Je vous attends dehors. Jean, il est tilt. Peu importe. C'est le RP. Le RP, c'est pas toujours comme tu le veux. Tu peux pas faire le débile quand tu veux. Il y a un lore à suivre. Donc, Nous allons... Comment vont-ils? Je m'en fous, c'est surtout la voiture qui m'intéresse. Je pense que, messieurs, vous n'avez pas compris les moments où il faut être sérieux et les moments où on peut rigoler. Je vais vous demander réunion à la villa. Je vais vous faire un petit point. Bien sûr. Bien sûr, pour rafraîchir tout ça. Jean a l'air, ceci dit, comment dire? Oui, je l'ai vu. Il a l'air un peu... Comment dit-on, Catherine? Tilt, comme vous dites, c'est ça? Oui, tilt. Pierre, occupez-vous oui d'apprendre la vie sur le chemin du retour à votre frère. Je lui parlerai. Bien sûr, on compte sur vous. Et à la villa, je vais vous faire un dernier briefing. Bien sûr. Pour vous rappeler oui, un peu. Après, vous j'aurai quelques mots à vous dire aussi. Vous savez que Jean est assez têtu. Est-ce que ça me regarde? Bien sûr que non. C'est bien ce que je pensais. Bon, allez, je vous laisse repartir avec l'autre véhicule. Un des frères va payer.
Je vous ai mis un peu de sens de quoi faire le retour. Oubliez pas de faire le plein. Très bien. Je vous attends à la villa avec Catherine. À tout à l'heure. Oh. Oui, Catherine, dites-moi. Combien ont-ils tiré en argent? Nous avons 1 600 $. Vous avez tout récupéré? Bien sûr. Bien. Pour combien de pochons? Vous enlevez la part. 20 en fait. Non, les comptes sont pas bons. Attendez, je réfléchis. Moi sur moi j'en avais 12. Et 5. Si, ça fait à peu près 17. 17 pochons? Mm-hmm. Donc ça fait $100 le pochon. Attendez. Non, les comptes sont pas bons. Je fais les calculs. Attendez, bougez pas. Le pochon se vend à $160. Alors, vous n'avez pas 1 600 sur vous? Catherine, vous me faites peur. Ah, sorry, oui, je n'avais pas vu l'argent de... Catherine? Oui, c'est bon, j'ai $2 700, sorry. Je n'avais pas vu l'argent de William. Vous savez bien ce que je pensais. Donc, les comptes sont bons? Oui, les comptes sont bons. Bon, dites donc. Oui, vous vouliez me dire quelque chose, Catherine? Non, je dirais un mot à la famille. Oh, dites-moi, ça vous a déplu ce que vous avez vu aussi? Mm-hmm. J'ai l'impression qu'ils n'ont toujours pas compris leur place. C'est bien ça le problème. Oui, dans notre famille, il y a une hiérarchie, il faut la respecter. Bien sûr, moi je compte sur vous pour apporter votre touche de féminité dans cette explication. Bien sûr. Et encore, sur un combat à mort, j'ai été plutôt gentil, ils ne sont pas encore morts. Oui, ils ont simplement été un peu blessés, j'ai l'impression. Oui. Vous les avez seulement secoués. Des petites égratignures. Non, Jean. Voilà, rien de grave. Jean est insolite, j'ai dû y aller 5-6 fois. Ah oui. Ils se relevaient à chaque fois. Pour courir, qui plus est. C'est une bonne chose tout de même. Après 3 coups de couteau, je ne sais pas, Catherine. Est-ce que c'est comme une poule? C'est les nerfs qui parlent? Comment? Non, je disais, est-ce que c'est comme les poules, c'est les nerfs qui parlent? Vous parlez de moi? Non, mais je parle... Vous ne suivez pas la conversation, Catherine. Je n'ai pas compris. Vous êtes obnubilée, que se passe-t-il? Non, je n'ai pas compris, j'étais dans ma tête, sorry. Vous voulez qu'on se débarrasse de toute la cocaïne et qu'on vende tout ce soir? Non, pas tout ce soir. Vous êtes sûr que ça ne bougera pas de... du coffre du véhicule? Non, ça ne bougera pas, mais il faudra simplement... Après, on peut les rentrer dans la maison, c'est peut-être plus sûr. Oui, je pense bien, Catherine. Pouvez-vous ouvrir? Oui, c'est ouvert. Oh, ok. Bon, vous inquiétez pas, c'est Catherine. C'est voiture, elle est très solide. Oui, elle roule vite, qui plus est. Oh, Catherine, préparez 3 500 pour mettre là-haut. Parfait, je vais aller le chercher. Et ranger ce bidon. Rejoignez-moi, Cathy. Oui, bien sûr. On peut s'asseoir ici? Malheureusement, on va devoir faire une réunion un peu désagréable pour leur expliquer que, comme je vous disais en off, resserrer la vis, leur apprendre aussi que leur faire comprendre qu'il y a littéralement un lore à respecter. Et que donc... Et que donc ils puissent... ils puissent éviter de faire trop... trop les débiles, surtout quand c'est sérieux et qu'en plus on va vendre de la cocaïne. Sois pas trop méchant, ça doit rester un jeu.
Bah non, mais le RP est un jeu, frérot. Si tu sais pas faire la différence, ça devient grave. Tout comme si Jean sait pas faire la différence, ça devient grave. Un peu trop détente. Bah ouais, surtout que c'était très sérieux, hein. C'était de la cocaïne et tout, qu'on avait chacun sur eux. It's okay, j'ai tout préparé. Oh, félicitations. Catherine, vous voulez peut-être décharger dans le coffre? Voulez-vous les clés? Prenez le Je veux bien les clés, oui. Je les prends. Le temps que le frère arrive. Surtout le moment où vous allez vendre, ben c'est ça. Non mais rigoler, ça on sait le faire, ouais. Mais ça fait partie du RP, hein. T'apprends le RP aussi en étant sérieux quand il faut être sérieux, hein. C'est pour ça que tu peux te permettre dans le RP par exemple d'insulter les bonnes personnes ou de rigoler avec les bonnes personnes, mais tu peux pas au détriment de toi parce que tu veux rigoler pourrir le RP entre guillemets des autres ou de la scène qui se passe, tu vois. Si tu joues le caïd de la dope, c'est logique. Non, mais c'est ça. Il y a un lore, en fait. C'est tout. Il y a un lore et ça doit être respecté. Donc, encore une fois, bon, on va pas faire des leçons de RP, mais il faut que ça soit respecté. Ça fait partie du RP aussi, de faire une leçon pour rappeler qu'il faut respecter le lore. La drogue se vend au PNJ. Alors, ça se vend à des PNJ, dans des quartiers en particulier. Il faut que ça corresponde au lore. Voilà, tout simplement du serveur. Donc, tu vends ça dans des endroits logiques, en gros. Tu vas pas vendre ça au premier mec qui passe en face de toi. C'est pas très logique. Il faut que ça respecte un lore, il faut que ça respecte des lieux, des endroits. T'as raison sur ce coup-là. Ah, mais non, mais je sais que j'ai raison, évidemment que j'ai raison. Force, loyauté et respect. C'est les quatre qu'il y a derrière moi. Il y a des points d'intérêt où tu vends plus cher. Oui. Oui, c'est ce que je dis en fonction des zones. Peux-tu expliquer ce qui n'a pas été respecté? Tu vas le suivre dans le RP, frérot. Merci Tamutex, merci pour le 26e mois. J'ai soif. J'ai soif, je vais me chercher un truc à boire après. Il est quelle heure? Il est minuit 30. Bien envie de faire un petit League of Legends nocturne. Ils sont où les frères, là? Allô Bernard. Où êtes-vous, Pierre? On attend toujours le mécanicien, il y a du monde, mais je pense qu'on va y aller. Il a réparé le véhicule? Non. Attendez que le véhicule soit réparé tout de même, Pierre. Bien sûr. Prenez soin des affaires familiales. Bien sûr. À tout de suite. Hein. À tout de suite. C'est parfait, j'ai fini de tout décharger. Oh! Catherine? Oui. Non, rien. Mmh? Oui. Ils arrivent. Ils ont mis beaucoup de temps. Ah, ils arrivent. Ils ont mis beaucoup de temps pour faire quoi? Non, le garagiste. Oh. Voulez-vous peut-être un verre? Volontiers, Catherine. Nanaï? Bah oui. Ah. Bah dites-moi. Je sais pas, vous m'avez pas répondu. Bah si, j'ai dit volontiers, Catherine. Ah, sorry, je vous ai pas entendu. Il n'y a pas de souci. Mo joue bien. Attendez, parce que c'est un habitué. Mmh. Ah, bah dites donc. Il est très bon, bah je vous le donne. Parce que c'est un habitué du RP, Mo, les gars. Tenez. C'est un habitué du RP.
Merci. Vous êtes adorable. Je vous en prie. Je vais éviter de trop en boire, ceci dit. Je suis déjà à mon troisième verre. Alors, qu'avez-vous prévu de dire Bah, je vais juste leur faire lire les trois tableaux derrière moi, je pense. Ah, oui, bonne idée. Bah oui, mais vous, qu'avez-vous prévu... Oui, j'ai compris. Bah, dites-le. Ah, je pense que ça va compléter les trois tableaux derrière vous. Bien sûr. On peut toujours compter sur vous. La hiérarchie, oui. Bien sûr. Oh, d'ailleurs, bonne nouvelle. Dites-moi. J'ai enfin eu la batte de baseball. Oh. Oh, gratuite? Bah, bien sûr. Oh, c'est excellent. Enfin, pas gratuite, du coup. Non, combien? Un rendez-vous. Oh, bah, dites donc, d'où la sortez-vous? Sur le canapé. Bien sûr. En bien échange avec. De... D'un rendez-vous. Avec? Avec Jaden. Vous vous doutez bien que je serai là, Cathy. Elle l'a demandé à ce que ce soit seul. Cathy. Je vous ferai un résumé. Cathy. Oui. Vous vous doutez bien que je serai là, Cathy. Chez les Pichons, nous n'avons qu'une parole et je lui ai dit, je l'ai mis au défi de vous emmener seul. Évidemment que vous mais ne serez justement, pas seul. Cathy. Vous n'avez pas compris, Nana. Regardez-moi dans les yeux, Cathy. Nana, vous n'avez vraiment pas compris. Non, Cathy. Je vois bien que vous n'avez pas compris. Non, Cathy. La dignité de la famille passe avant une batte de baseball, Cathy. Et bien Cathy. Évidemment, mais il ne s'agit pas là de notre dignité. Si, Cathy. Il s'agit là de réseautage, Nana. De? De réseautage. De? De réseau. Ah! Et donc? Eh bien, vous savez, si j'ai déjà Cathy, mis un peu partout, c'est assez intéressant. Regardez-moi oui. dans les yeux, Cathy. Oui, Nana. Elle ne gagnera pas, vous n'aurez pas ce rendez-vous seul avec elle. Mais arrêtez de parler avec votre ego d'homme. Cathy! Oui, ne Nana. Vous permets pas! C'est pas un ego d'homme, c'est un ego famille! Si, c'est un... Non, c'est un ego d'homme. Cathy. Oui? Donnez-moi cette batte de baseball. Non, j'aime bien jouer avec. Non, Cathy, donnez-moi cette batte. Tout ce que j'ai, je vous le donne. Tenez, je vais vous donner quelque chose. Qui est cette Jaden? C'est l'amie de Claude. Bien sûr. Vous savez, celle du quartier. Raison de plus pour qu'elle n'ait jamais ce rendez-vous avec vous. Mais pourquoi? Parce que c'est l'amie de Claude. Tout simplement, Cathy. Nana, regardez, j'ai mis un petit coussin pour mes fesses. Seule. Ça peut exister. Et pourquoi donc? Qu'est-ce que vous y gagnez? Dites-moi. Vous savez très bien ce que j'y gagne. Non. Encore une fois, tout le réseau que j'ai pu ramener, c'était comme ça. Ah oui, par exemple, Mello. Oui. Je l'ai rencontré seul. Non, je n'ai pas Jaden. Vous n'irez pas à rendez-vous seul pourquoi avec vous elle. Pourquoi vous n'aimez pas Jaden? Vous n'irez pas à rendez-vous seul avec elle. Pourquoi? Laissez-moi vous dire quelque chose, Cathy. Mm-hmm. Vous voulez vraiment aller à rendez-vous seul avec elle? Dites-moi, regardez-moi dans les yeux et maintenez le fait oui, que Nana. Vous vouliez aller en rendez-vous seul avec elle. Allez-y. Allez-y, Cathy. Nana, ça pourrait être intéressant. Dans ces cas-là, elle goûtera sa propre batte. Vous comprenez, Cathy? Oui, si elle se comporte mal, oui. Non, elle goûtera sa propre batte. Qu'elle se comporte mal ou non, je vais même dormir avec elle comme ça. Regardez. On dirait la continuité de mon sexe, Cathy. Oui. Bien sûr. Pas aussi grand. Mais non. Cathy. Oui. Elle goûtera la batte, si vous y allez, je vous le dis. Ok. Il y a deux solutions, Cathy. Soit je serai que vous avez été à ce rendez-vous seul, et elle goûtera mais ma batte. Vous n'avez pas besoin Cathy de me laisser, Nana. Je parle, Cathy. Oui. Soit je serai par Claude, ou par d'autres personnes dans cette ville. La ville est petite, Cathy. Que vous avez été à ce rendez-vous seul, et dans ces cas-là, elle goûtera la batte. On soit, mais peu importe comment mais quel goût soit, la batte, ça ne m'intéresse pas. Peu importe, soit
Je vous accompagne et le rendez-vous se passera très bien, Cathy. Je saurai me tenir, Cathy. N'est-ce pas? Ok. Bien. J'aime quand on se comprend. Hop, c'est dans mon cul, Cathy. Bon, où sont-ils? Mais ils arrivent. Vous avez pas lu le message? Non, j'ai pas vu. Cathy? Oui. Venez par là. Pourquoi vous planquez-vous? Je vais chercher un verre de vin, Nana. Appelez Jayden, dites-lui que je serai à ce rendez-vous. Il n'y a pas de rendez-vous prévu. Catherine. Il n'y a pas de rendez-vous prévu pour l'instant. Cato. Oui. Cathy. Oui, Nana. Kat. Oui. Dites-lui, appelez-la, mettez-le au parleur et dites-lui que je serai à ce rendez-vous. Et pas tout de suite, voyons, ça peut attendre. Ça peut attendre quand, Kat? Quand on aura prévu le rendez-vous, s'il y en a. Hein. Bien sûr. Si elle oublie, c'est bien. Bonsoir. Bonsoir, je cherche un verre de vin. La voiture est en bon état? Impeccable. Bon. Qui a payé? Moi. Bon. Je vous ai mis un tiers d'essence. L'avez-vous complété? Pas du tout. Vous comptez encore faire passer Claude demain à la caisse? C'est-à-dire que c'est lui qui a tout l'argent. C'est lui qui passe tant à pêcher. Bien sûr. Les Lambert, vous n'avez pas d'argent? Demain, on va avoir la paye demain matin. C'est bon, on a eu la... Oh, on a eu la confirmation. Vous allez avoir combien? Après, 6 000? 6 000. Bien. C'est ça. Et on va essayer de voir si on peut pas récupérer la bouffe du resto vu qu'il va fermer. Ouais, aussi, ouais. On a encore les clés. Oh, Cathy. Mm-hmm. Je vous laisse discuter ou vous voulez que je fasse l'introduction? Non, allez-y. Messieurs? Oui? Il y a 3 tableaux derrière moi. Oui? Pouvez-vous les lire, s'il vous plaît? Force, loyauté, respect. Bien. Est-ce qu'il y a un des tableaux que vous ne comprenez pas, messieurs? Je viens de le lire, donc moi non. Bien. Les Lambert? Non, je comprends très bien. Très bien. Tout le monde comprend? Oui. Donc, Cathy, vous pouvez continuer. Oh, c'est tout? Bah oui, vous faites la continuité des tableaux, vous m'avez dit. Ah, c'était simplement les tableaux. Bah oui. Vous n'allez pas dire autre chose. Non, c'était de l'imprévu, mais finalement, ça s'est bien passé. Ok, parfait. Messieurs, j'aimerais juste vous rappeler quelque chose dans notre famille. Nous avons accueilli à bras ouverts chez les Pichons, ce n'est pas pour rien. Vous avez chacun vos... Comment dire? Votre pierre à l'édifice à ramener, mais... Il ne faut pas oublier la hiérarchie de cette famille. Nana et moi sommes très gentils et nous vous laissons une liberté assez grande pour faire votre vie. Mais n'oubliez pas que si vous êtes ici, c'est grâce à nous. Si vous mangez et que vous êtes logés, c'est grâce à nous. Vous avez bien vu comment ça se passe chez les autres groupes. Leur réfet n'est pas aussi gentil que nous, si vous voyez ce que je veux dire. C'est cela. Alors j'aimerais que dorénavant... Vous nous accordiez beaucoup plus de respect, que ce soit en vous adressant à nous ou en nous demandant n'importe quoi. Surtout quand vous avez des sachets de cocaïne dans les poches, monsieur. Très bien. Il faudrait aussi revoir votre sérieux lorsque nous partons en mission pour n'importe quelle raison, pas forcément que la drogue, mais en rendez-vous, n'importe quand. Il faut être sérieux et savoir où est sa place. Ok? Mais évidemment. Il serait dommage que nous passions pour des guignols auprès de tous les autres groupes. Nous avons réussi à nous construire une assez bonne réputation jusqu'ici. Nous sommes appréciés de tous les groupes et nous aimerions que ça reste ainsi. Si nous devons nous faire des ennemis, ce sera des ennemis communs, pas vos ennemis personnels. Ne traînez pas le nom de la famille Pichon dans la boue, s'il vous plaît. Alright? Très bien. C'est pas ce qu'on faisait, mais oui. Noté. Je n'ai pas à vous demander votre avis, Pierre. Bien sûr. Thank you. Messieurs, comme vous pouvez le voir, le sachet de cocaïne part à des prix plutôt, comment dire, sympathiques. Nous avons négocié de très bons prix pour que la passe se passe agréablement bien de Cayo Perico à ici.
Donc, cette soirée nous a rapporté, ou nous rapportera du moins à l'avenir, je dirais, 22 000 dollars. Nous avons, je dirais, 12, 13, 14 000 dollars dans le coffre. Donc, quand tout sera épuisé, nous aurons petit à petit une fortune qui commence à monter et à chiffrer aux alentours de 33, 35 000 dollars. Vous comprenez ? Ce n'est pas négligeable, ce n'est pas non plus la fête, mais c'est mieux que rien. Bien sûr. Autre chose, j'ai disposé les bouchons de cocaïne dans notre coffre-fort. Je vais vous montrer où ils sont disposés, mais il faudra les écouler au plus vite. Nous avons des choses à prouver à Cairo Perico. Nous devons prouver notre rapidité et notre service. Je peux poser une question ? Sure. On a combien de temps ? Le plus vite possible. Il n'y a pas de temps déterminé. D'accord. Et dans les prochains jours. J'ai une question également. Oui, allez-y. Est-ce qu'il y a une règle concernant le... pour la revente, par exemple ? Est-ce qu'il faut y aller à un nombre minimum ? Une heure précise. Plus vous prenez de risques, comment dire ? Plus vous prenez de risques, plus ça paye. Plus on se rapproche d'un commissariat, quoi, ça. D'accord. Je pense Évitez de le faire à côté du commissariat. Voilà. Oui, évidemment. Mais Cathy sera un petit peu mieux renseignée à ce sujet-là. Oui, je vous donnerai des zones où aller vendre. Très bien. Aussi, pour l'information de l'heure, essayez de faire ça tardivement. Bien sûr. Plus la nuit tombe et plus les toxicomanes sont de sortie. Mais quelle heure maximum ? Parce que j'ai l'heure de début à laquelle les toxicomanes sortent. 3 heures du matin. 3 heures du mat, très bien. Très bien. De toute façon, on préviendra quand on partira. Est-ce que vous pouvez, par exemple, dès maintenant, aller écouler un peu de stock ? Ce qu'on comptait faire. Oui. Nous avons un total de 150 sachets. On va vous laisser peut-être les épuiser tranquillement. Catherine, avez-vous quelque chose de prévu ce soir ? Non. Non, mais enfin, comptez-vous faire quelque chose ou aller au lit ? Non, je n'avais rien de prévu. Non, bon. Écoutez... Vous pouvez disposer, je pense que tout a été dit. Mais évidemment, nous savons ce que vous prenez. Nous savons aussi ce que vous donnerez. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr, ah on reste dans le coffre. Oui. De préférence. Je rappelle que ce coffre n'appartient ni à vous, ni à moi. Il appartient à la famille. Bien sûr. Donc, on ne vole pas dedans. On oui, redépense. Et tout l'argent que vous faites avec la drogue, vous n'en gardez aucune partie. Bien sûr. Bien sûr. Parce que nous devons payer d'autres personnes, si vous voyez ce que je veux dire, pour ces passes. D'ailleurs, Catherine, je vous laisse aller payer Mélo. Bien sûr, Jerry. Les Lambert, Jean, vous pouvez aller vendre... Venez, Pierre, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Vous pouvez aller vendre. On a rendez-vous au commissariat. On va le faire juste après, oui, ça c'est vous pour retirer pas. Le bracelet. Et on doit refaire les photos du notre dossier. Pourquoi les photos ? Quel est le problème ? Parce qu'ils ont pris des photos magnifique de torse musclé et pas notre visage. Et du coup, ils doivent leur faire. J'aurais fait la même chose en me voyant. Non, attendez. On s'en fout des photos. Bien sûr. À la limite. Dans tous les cas, il y a le bracelet. Oui, mais ça, c'est pas grave. Ça tourne à votre... votre bracelet, ils en font rien. Ça peut attendre demain sans problème. Oui. Allez plus vendre de préférence, je pense. Très bien. Jean ? Vous avez l'air fatigué, Jean. Non, ça va. Si, vous êtes fatigué. Je suis fatigué ? Oui. Mes paupières sont lourdes. Je sens que vous avez envie de me faire des tutoriels sur des jeux mobiles. Très bien, mes paupières sont lourdes. Vous êtes fatigué, Jean. Je suis fatigué. Allez, donc au lit. Pierre, je suis fatigué, Pierre. Oui, je vois que tu es fatigué. Je vais aller me coucher, Pierre. Bon courage, Jean. Enlève ton body bracelet, Pierre. Sur lui, ok. Je vous souhaite une bonne nuit, mes amis. Jean est fatigué. Je suis fatigué. Parfait. On en prend 5, ça. Mes paupières sont lourdes. Oui, vous faites 5 par 5. Oui, très lourdes. Alright, et bien, bonne nuit. Très lourde. Oui. Je vais aller au lit aussi. Ok, parfait. Et bien, bonne nuit. Catherine. Oui. N'oubliez pas. Catherine, mettez pas la langue aussi. Oui. Pardon. N'oubliez pas que si jamais. Oui. Voilà. Oui, j'ai compris. Catherine, regardez-moi. Voilà. Oui. Ne me la mettez pas dans les yeux. Ne me la mettez pas à l'envers, pardon. Regardez-moi dans les yeux, mais ne me la mettez pas à l'envers. J'ai compris. Vous avez compris, Catherine ? Oui, j'ai compris. Bien. Parfait. Catherine ! Oui. Qu'allez-vous faire ? Je vais aller voir Milo.
Et ensuite bah ensuite je verrai, mais c'est tout pour l'instant. Avec l'étiquette. Oui. Ok. N'oubliez pas Catherine. Allez dormir, nana. Bien sûr. Okay. Ne bougez pas. Oui. Oui. Non, attendez. Attendez. Mm-hmm. Non. Venez. Oui. Non. Attendez. Qui c'est qui rentre dans la cour encore? Alors, écoutez, vous allez vendre à deux. Qui compte? Vous allez au lit à quelle heure, Catherine? Je ne sais pas du tout. Je pense que vous avez besoin de garde rapprochée. Phil, Will? Oui. Pardon? Je veux qu'un de vous deux suive Catherine besoin. Aux traces non, je n'ai pas dans besoin son véhicule. De garde Elle rapprochée. Va vous faire découvrir la pas ville, du tout, n'est-ce pas, nana. Catherine? Non, pas du tout, nana. Qui se porte volontaire entre Phil et Will? Nana. Oui. Peu importe. Je n'ai pas besoin de garde rapprochée. Je n'ai pas besoin d'un présentez-leur, Milo. Présentez-leur. C'est la famille, nana. C'est pas un espion, Catherine. Ayez un minimum confiance bon, en votre femme, nana. Je vais prendre Phil. Allez, suivez Cathy. Je vais peut-être poser. Oh, Phil, attendez deux minutes. Oui, donne-moi les pochons. Oui, voilà. Si jamais Catherine va voir une certaine Jayden. Jayden, ouais. Oui, voilà. Seul. Ouais. Vous n'hésitez pas à me leur dire. Je vous enverrai un message. Jayden, c'est une femme un peu métisse avec des cheveux blancs. Cheveux blancs, ok, ok, ça marche. Au courant. Mais malheureusement, vous enverrai un message. Si jamais c'est le cas, on sera obligé de la torturer demain. Oh, bien. Bon. Oui, Jean. Si jamais vous allez très bien, monsieur Bichon. Oui, ne la lâchez pas d'une semaine. Bien sûr, je t'en dirai. Je ne compte pas la lâcher, monsieur Bichon. Bon. Catherine! Oh oui. Catherine, mettez donc le haut-parleur qu'on entende. T'en fais pas comme nana, ça fait beaucoup, nana. Il y a Phil qui vient avec vous au cas où. Attends, je suis magnifique. Je suis dans oui. Gros, qui a-t-il avec le camion? Je me sens Phil. Donc ils prennent la, oh, votre Phil. Photo comme ça, c'est voilà. Fait. Phil. Oui. Allez donc dans ce camion et voilà. Et n'en sortez jamais. Bon. Oui. Allons-y. Suivez-la. On a la trace. Vous êtes son vigile. Oh, attendez. Tu vas la perdre, Phil. N'avez-vous un moyen de défense? Non. Bon bah j'ai les fait points. Couteau. Non, attendez, tenez. Très bien. Faites-en bon usage. Un RPG 7. Si jamais Catherine a besoin d'un bon coup sur la gueule, mettez-lui. Bon, je n'oserais pas quand même. Oui, mais faut qu'elle écoute aussi. Très bien. Bien. Ça contredit un peu la réunion. Non, la réunion est simple. Il faut que tout le monde écoute, n'est-ce pas, Catherine? Mm-hmm. Voilà. Pourquoi? Qu'avez-vous dit? Non. Rien du tout. Il disait que ça contredisait la réunion. Mais je lui disais que justement, le but de la réunion, c'était que tout le monde écoute. Mais qu'est-ce qui contredit la réunion? Oh, rien, Catherine, rien. Catherine, je me suis permis de donner la batte à Phil. Il n'avait aucun moyen de défense. Ah oui, ok. Ouais, bon courage. Il me la rendra. Protégerai madame Catherine. Oui, je n'ai pas besoin de protection. Mais... Oui, mais Phil a besoin peut-être de voir d'autres horizons, Catherine. Ne pensez pas qu'à vous. Bien sûr. Bah oui. Catherine. Très bien, Oui. Bon, quand même, vous détestez Phil à ce point-là? Pas du tout. Mais non, mais dites-lui dans les yeux si vous le détestez. Mais bien sûr que non. Bah allez-y, dites-lui que vous voulez pas voir sa gueule. Mais pas du tout, bah du non, tout. Bah non, pourquoi? Allez, bon courage. Oui, allez, bonne nuit. Bonne soirée. Je vous suis. Bien sûr. Bonne nuit, Jean. Oui, bonne nuit. Oui, allô, monsieur. Ne dites pas qui c'est à l'appareil, ne mettez pas le haut-parleur, et peu importe ce qu'elle vous dit, ne dérogez pas aux règles, d'accord? Désolé, madame Catherine, je ne peux pas mettre le haut-parleur, mon téléphone est complètement cassé. Oui, oui, monsieur, à l'appareil, oui. Quand vous raccrocherez, vous direz que j'étais de la police et que c'était pour avoir un de vos témoignages. Oui, monsieur, oui. Voilà. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Peu importe ce qu'elle vous dira, ne craquez pas. Pas de soucis. Bon courage. On vous attend au poste le plus rapidement possible, dès demain, 20h. Très bien, c'est noté, monsieur. À demain, 20h. Il a pas l'air. Je l'ai mis dans une sauce. Allez. On y va. Je l'ai mis dans la sauce.
Merci Flamgos, merci mon frérot pour le cinquième mois, merci au mix aussi, ça fait plaisir. Bah ça va, c'était cool. Que je me méfie un peu de ma...